Ah, ben c'est la faute à Pasteur. Oui, oui. Étant en terminale au lycée, à cette époque-là, on parlait de biologie un petit peu et des travaux de Pasteur en terminale. Et quand j'ai vu les travaux de Pasteur sur la génération spontanée, ça m'a paru tellement génial que je me suis dit, ça, il faut absolument que je fasse. Alors, il y avait donc ça sur le plan, disons, de scientifique, parce qu'à l'époque, la science était dans ses balbutiements. Et deuxièmement, le courage de Pasteur pour traiter les premiers cas ou le premier cadrage sur un brave berger qui était mort sans ça, ça m'a paru aussi absolument fantastique dans la capacité à passer outre à toutes les difficultés dans le but de traiter quelqu'un, de le ramener à la vie contre la rage qui était mortelle à 100% à l'époque. Alors les deux choses m'ont paru absolument formidables et je me suis aperçu que j'avais envie, au fond de moi, sans savoir exactement, de soigner les gens. Et c'est comme ça que c'est venu. Alors du coup, je fais médecine. Autrement, j'aurais peut-être... je ne sais pas. Non, j'ai jamais hésité à faire quelque chose d'autre réellement. Et la néphrologie ? Alors, la néphrologie, c'est la faute à Amburger, si je peux dire. Quand j'étais externe à Necker, j'ai dû être externe assez jeune, dans les années 53, à peu près. Et donc, j'étais externe en urologie, enfin en chirurgie, en urologie. Et c'était assez... pour un externe, ça n'avait à peu près aucun intérêt. Et j'entendais parler d'Amburger, qui avait des choses absolument magnifiques à côté, qui parlait de sodium et d'urée. Et ça me passionnait. Alors donc, je finissais mon travail en vitesse en service de chirurgie, qui est un écart aussi, bien sûr. Je traversais la cour carrée avec les petits poissons rouges au milieu et j'allais suivre la visite d'Amburger en 50e position derrière 4 agrégés, 4-5 chefs de clinique, 5-6 internes, une dizaine d'externes, plus autour. Et moi, j'étais tout à fait au fond et j'entendais parler de sodium, de potassium, d'insuffisance rénale. Et ça me semblait absolument passionnant par rapport à la routine absolument incroyable qu'il y avait encore en chirurgie. Je me suis dit, ça, c'est quelque chose de véritablement formidable. C'est un nouvel abord de la médecine. Déjà, ça m'avait frappé. Autant dit, une intelligence comme celle d'Amburger, on la percevait à la troisième phrase. Non, j'ai aucun regret, mais j'ai le regret d'avoir 50 ans de trop pour ne pas bénéficier des moyens actuels de recherche, de biologie moléculaire et autres qui vont 10 fois, 50 fois plus loin que là où on allait il y a 50 ans. Mais je m'émerveille des résultats qu'on a obtenus avec les moyens qu'on avait à l'époque. C'est-à-dire, on ne comprenait même à peine ce qu'on faisait, mais on a réussi à sauver des centaines de vies là et puis par la suite. Mais là, maintenant, pour les jeunes, c'est encore bien plus passionnant, je trouve. Je voudrais recommencer ma vie, quoi. Mais je referai de la néphrologie. Et comment ? Eh bien, justement, je ne sais pas, mais comme Pierre Ronco, je prendrai un abord du même genre que le sien, si je pouvais, bien sûr, parce qu'il faut avoir les aptitudes à la recherche, mais je n'ai pas pu le faire. Je me suis contenté d'essayer d'être médecin, c'est-à-dire de soigner les gens. Mais je pense que, en bénéficiant des recherches fondamentale que nous ramenait Amburger de ses voyages aux États-Unis ou ailleurs et que lui faisait, nous transmettait et nous traduisait et nous les mettait en pratique. Et donc, moi j'ai toujours été curieux de sauter immédiatement sur le progrès le plus récent pour en faire profiter les gens. Alors on pouvait faire ça à l'époque parce qu'il n'y avait pas encore de loi contraignante et en réalité ça a réussi dans la plupart des cas. Et c'est devenu après des thérapeutiques admises. Ce qui est vraiment tout à fait étonnant, je n'arrive pas à comprendre comment on pouvait faire. Ben, je dirais que c'est... Dans mon internat, j'ai connu deux personnalités, enfin je n'ai pas connu tous les grands noms de la médecine, mais les deux personnes qui m'ont le plus marqué par leur intelligence et même l'ensemble de leur qualité sont Jean Amburger et Jean Bernard. On dirait que c'est curieux, mais ils étaient très amis. Jean Bernard était un tout petit peu plus vieux qu'Amburger. Et avait un caractère plus facile. Amburger avait un tempérament assez critique, mais ce qui était extrêmement utile pour stimuler la rigueur de pensée des gens qui étaient avec lui. Mais vraiment une intelligence conceptuelle incroyable, une capacité d'organisation comme je n'ai jamais vu. Jamais vu quelqu'un capable
tel que nous faisons en ce moment de parler, si on disait il y a une difficulté de tel ordre, qu'est-ce qu'il faudrait pour... Que voudriez-vous qu'il y ait... On lui disait ce qu'il avait besoin, à pratiquement, il prenait sa canne, son chapeau, enfin, figuré, aller voir le ministre de la Santé de l'époque, et dans la semaine qui suivait, en gros, c'était fait. J'ai une capacité de compréhension, d'organisation absolument monumentale, telle que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi efficace. À la fois, donc une intelligence pour comprendre les choses, les exposer à un enseignant, à un cours d'Amburger, on y allait par plaisir. C'était absolument phénoménal. Pareil que la même façon que les cours de Jean Bernard. C'était absolument incroyable. Ils avaient un sens didactique et plus une culture colossale, une mémoire absolument extraordinaire. Et tout ça basé au début, par exemple, sur des séries cliniques de 10. Amburger m'avait montré les premières fiches qu'il avait prises sur une insuffisance rénale aiguë quand il écrivait le bouquin sur la réanimation dans les années 52, 53 ou 54. Pourquoi des séries de 10 malades? Ben parce que diviser par 10, c'est facile. À l'époque, il n'y avait aucune machine à calculer, aucun ordinateur, absolument rien du tout. On faisait tout à la main. L'instrument le plus complexe qu'on avait était une règle à logarithme, c'est les... Bon, ce qui est absolument inouï. Donc on faisait des séries de 10, puis on poursuivait quelques mots, on mettait 20. Divisé par 20, c'était facile aussi. Alors après, il fallait passer à 50, et puis si tout marchait bien, on allait à 100. À cause de la difficulté mathématique de faire des moyennes, les écartiques n'existaient pas, on ne savait même pas ce que c'était, la statistique n'existait pas. Elle est venue. Alors quelqu'un a rappelé hier le fameux groupe des 13, dont Amburger, Jean Fauvert, Schwartz, etc. Mais Schwartz étant polytechnicien et le créateur de la statistique et de l'épidémiologie médicale, qui est un homme monumental aussi, et donc a introduit, et tous les autres ont suivi pour adopter l'instrument statistique, pour critiquer nos séries, les comparer et faire des comparaisons valables. Mais tout ceci s'est fait au fur et à mesure des années. En 1954, il n'y avait strictement rien. On faisait une moyenne et puis on disait ben c'est mieux que ce qu'on avait avant. Vous voyez que c'était quand même, on était très très loin des procédés sophistiqués actuels où le moindre étudiant peut faire les études, les comparaisons les plus complexes avec un simple logiciel de traitement statistique. Mais ils avaient le génie de comprendre tout de suite ce qu'il fallait faire. Moi, j'étais absolument... Les années passées comme interne chez Amburger, ben, j'ai passé un an entier. Chaque matin, on disait qu'est-ce qu'on va trouver aujourd'hui? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on va trouver pour tirer d'affaire les gens? Alors, on avait à faire une pathologie d'insuffisance rénale aiguë incroyable dont on n'a pas la moindre idée à l'heure actuelle. On a fait une première série de septicémie post-abortum de 300 cas. Une première série d'insuffisance rénale aiguë par erreur, enfin erreur, anomalie, erreur transfusionnelle, mais avec des sous-groupes qui n'étaient pas connus, qui ont été découverts à cette occasion, par Dossé en particulier. 300 cas de collégien à Necker, j'entends. Tout à l'avenant. Donc, à chaque fois, on en tirait des leçons, on en voyait ce qu'on avait fait de bien ou pas, on voyait les nouveaux moyens employés, et mois après mois, on arrivait à sauver. Au début, c'était peut-être 2 sur 10, puis 3 sur 10, puis 5 sur 10, puis 8 sur 10 des malades qui étaient atteints de ces pathologies. Immédiatement, on traduisait, à partir des petites séries initiales, on en tirait des leçons. On disait, la prochaine fois, on fera comme ça. Plus les moyens arrivaient, grâce au professeur Mollaret, la réanimation respiratoire. Le service Amburger, on avait 3-4 respirateurs dans la vieille salle Fouché, absolument archaïque. On avait 3-4 Engström qui fonctionnaient en même temps. Ça faisait un bruit incroyable. Quand on entrait dans ça, on entendait tchoum tchoum. Et si on ne l'entendait plus dans une chambre, c'était mauvais signe. Quand elle y était la veille. Donc on était habitué à gérer l'urgence comme ça, pas du tout comme dans les films américains, d'une manière beaucoup plus calme, mais de manière extraordinairement efficace. Un grand maître, il faut qu'il ait à la fois les qualités intellectuelles et les qualités morales et humaines. Alors Jean Bernard, je n'en parle pas parce que je ne l'ai connu que 6 mois, mais je pense que c'est lui qui avait le maximum
d'équilibre et d'harmonie entre ses différentes exigences. C'était une intelligence incroyable. Je l'ai vu enregistrer un film, par exemple, un jour à l'Institut de à Saint-Cloud. En un quart d'heure, il avait mis en boîte le film sur le traitement du Hodgkin. Alors, il parlait comme ça. Premièrement, le Hodgkin, suce diaphragmatique, petit A, ou petit A, machin, truc, A prime, etc. Et tout ça défilait, sans aucune note, sans rien, défilait comme par un prompteur devant ses yeux, mais le prompteur était dans sa tête, il n'existait pas, avec le plan entièrement fait qui s'exposait, n'importe qui pouvait comprendre. En Burger, c'était la même chose, mais avec une exigence éthique qui est apparue aussi avec En Burger, comme l'a fait Jean Bernard de son côté. Mais pour En Burger, c'était encore, enfin, les deux avaient un point commun: ils avaient affaire à des maladies extrêmement graves. Jean Bernard, les leucémies, les enfants qui meurent dans son service tous les jours, en mourait un, puis après on en a sauvé autant qu'en mourait 2 ans avant, donc c'était tout à fait différent. Et En Burger, l'insuffisance rénale aiguë jusqu'en chronique, jusqu'en 54, c'était la mort assurée. Donc il y avait sans arrêt à faire face à ce problème de mort, de gravité, de malades qui venaient désespérés avec leur famille, etc. Et donc, vous n'avez pas pu connaître ça, grâce à Dieu pour vous. Dans les hôpitaux anciens, vous avez la célèbre chose, le 4 à la radio, le 3... à tel examen, les malades désignés par le numéro de leur lit dans des salles communes de 30 lits, qui avaient salle commune à Necker au départ. En Burger, immédiatement réagi à ça, on a fait boxer, semi-boxer, et le premier externe qui parlait, ou la première infirmière qui parlait, le 4 ici, était... leur vie lui passait instantanément, mais il leur expliquait: un malade a un nom, il a une profession, il a une vie, et donc on doit commencer une observation en exposant monsieur un tel avec son prénom, son âge et ce qu'il fait, car il est évident que s'il est employé, municipal ou directeur de banque, c'est pas tout à fait pareil, comme, non pas que ça a une importance sur le plan social pour nous, mais parce que sa réaction aux choses, sa manière de percevoir sa maladie ou d'accepter telle ou telle, la possibilité d'accepter tel traitement est très différente. Donc moi j'ai adhéré à ça, je l'avais en moi, si vous voulez, ça m'a fait plaisir de voir que quelqu'un du prestige d'En Burger l'établisse de manière conceptuelle et l'impose dans son service de manière absolument claire, ce qui n'était pas fait dans d'autres, quand j'ai continué mon atteinte, dans d'autres services, c'était absolument un abord humain, social et moral des malades absolument lamentable. Chez En Burger, j'ai appris la dignité du malade, mais moi je la portais. J'ai adhéré immédiatement parce que je ne pouvais pas supporter cette ambiance d'infantilisation des gens. Alors très rapidement, d'ailleurs, il a contribué à aider à ce que les gens puissent comprendre ce qu'ils avaient, à se prendre en charge en partie, enfin dans la mesure où ils le pouvaient. Maintenant, c'est la grande mode, sauf que c'est fait de temps en temps, quoi. Là, les principes avec lui avaient une exécution immédiate. Chez En Burger, personne n'aurait... On pouvait répandre des idées tout à fait saines à partir du moment où il l'avait dit, sur la France entière, c'était fait. Dans la collectivité néphrologique, il y avait 5-6 néphrologues la première année, le terme n'existait pas. Mais dès qu'il y en a eu, à partir du congrès d'Évian, qu'on a inventé le mot de néphrologie, à l'époque, c'était absolument cocasse, parce qu'il avait mis pratiquement au concours la recherche du terme qu'il fallait, parce que c'est clinique des maladies métaboliques. Alors, ce terme sonnait magnifiquement, mais il n'y avait rien de métabolique. Enfin, tout est métabolique en médecine, pas plus la néphrologie qu'autre chose. Et donc, tout le monde s'est reporté sur ces dictionnaires de grec, ceux qui en avaient. Et puis, en fin de compte, urologie, les urologues nous ont déjà pris uros, l'urologie, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Et puis, restait néphrone ou quelque chose comme ça. Et ben, du coup, on a dit, nous, on monte carrément à l'échelle, peut-être pas microscopique, mais enfin plus fine. Et donc, le terme a été adopté par consensus. Donc, comme on discute là, un matin, on dit que En Burger nous dit, j'ai parlé avec un tel de l'académie. Ben, déjà, il avait l'académie en vue. Et donc, finalement, c'est néphrologie qui règne. Bon, il va et vient, craque le... Le lendemain, ça s'appelait Néphrologie dans le monde entier. Et le premier truc s'appelait Kidney International en français et en anglais. Le français étant en premier, puisque la néphrologie a été créée en France à Évian. Tout était à l'avenant. Mais ça, c'est important en soi d'avoir... Attendez, juste une petite remarque. La néphrologie est...
peut-être la seule discipline, enfin, au monde, en médecine, où la partie médicale a suivi la partie chirurgicale. L'urologie a existé depuis plus de 100 ans. La néphrologie, qui s'est intéressée à l'insuffisance rénale, et pas seulement au traitement des calculs ou des tumeurs, est venue bien après. Tandis que la cardiologie a existé bien avant la chirurgie cardiologique. Les maladies digestives la chirurgie est apparue en complément. Mais là, il y a un décalage de 100 ans entre la création de l'urologie du temps de Guyon, il y a un peu plus d'un siècle, et la néphrologie à Varenburger en 1960. Et vous avez vu le développement. La néphrologie brasse, mettons, pas loin de 3 milliards d'euros par an. Le prix des traitements, c'est absolument gigantesque pour un petit nombre de malades. Moi, pour résumer, une intelligence d'une acuité extrême. Méry a rappelé son esprit critique, mais c'est un esprit de perfectionnisme, dans le style, dans la rigueur de présentation des choses, et ça, je suis tout à fait d'accord. L'humanisme, il n'était pas très à l'aise avec les gens, Burger, il faut bien le dire, avec les malades. Souvent, il faisait sa grande visite. Alors, les gens étaient déjà à moitié guéris de l'avoir vu, parce que c'est le célèbre professeur. Et puis après, il me demandait, j'étais interne, donc tout jeune, le professeur m'a dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Hein. Vous êtes d'accord, vous ? Alors là, moi, ça me semblait énorme, mais je me suis rendu compte après que j'étais beaucoup plus près d'eux, ainsi que les infirmières, et que, bon, si je leur disais, bah, écoutez, vous plaisantez, enfin, vous ne vous rendez pas compte, ah ben ça y est, alors ils étaient encore doublement guéris. Enfin, disons, ils se sentaient deux fois mieux, sinon guéris. Mais la troisième qualité fantastique qu'il avait, qu'avait Jean-Bernard aussi, c'est un sens de l'organisation absolument extraordinaire, un sens concret, un sens de l'application immédiate de toutes les découvertes qu'on pouvait faire pour améliorer les traitements. C'était véritablement, d'ailleurs, quand il a fait ses conseils aux étudiants de médecine, ce qui ressort le plus net, c'est la volonté de traiter, la volonté d'arriver à faire quelque chose pour les gens. Et ça, c'est pour ça que j'ai fait médecine, pour pouvoir améliorer l'état des gens, pour pouvoir les traiter, les soigner. Et j'ai pas cessé, d'ailleurs, je continue encore maintenant. Des gens me téléphonent comme ça, ben vous qui avez été, etc. Qui est-ce que je pourrais voir ? Ma fille a ceci, cela, ou etc. Et grâce au fait qu'on se tient au courant, qu'on sait quelles sont les bonnes équipes, et on peut les orienter utilement et leur éviter des erreurs ou des errements en les branchant sur le système hospitalo-universitaire où véritablement sont les gens archi-compétents et pour la plupart des intéressés. Ah bien, elles sont... on pourrait dire que c'est un peu... Il y a eu deux étapes parallèles à Necker. La première étape, ça a été, alors ça c'est indiscutable, le traitement de l'insuffisance rénale aiguë. On dirait que c'était le plus facile. Je pense que Jean-Philippe Méry en a parlé hier. Effectivement, on a découvert la découverte d'un rein capable de le fameux rein à tambour de Necker, qui était un peu préhistorique. On a eu d'autres après, des coiled kidneys un peu plus facile à manier, qui ont permis de changer complètement, mais de 90%, l'avenir des gens qui avaient une insuffisance rénale aiguë. Parce que certains, à l'époque, avaient des insuffisances rénales aiguës toxiques. Par exemple, les gens qui se lavaient les mains avec du tétrachlorure de carbone quand ils s'étaient mis du cambouis dessus. Personne ne savait que le tétrachlorure était néphrotoxique et hépatotoxique. Donc on a eu des tas de... C'est Gabriel Richet, d'ailleurs, qui était le plus fort pour trouver l'origine de l'intoxication. Il y avait des sels de mercure, des choses toxiques. Non pas les grands polytraumatismes, il y avait une cause unique d'insuffisance rénale aiguë, on passait les gens, on faisait le nombre de dialyses qu'ils faisaient, on dénudait. À l'époque, on avait une habileté de chirurgien pour trouver... Jean-Philippe Méry disait qu'il fallait dénuder une artère, une veine. En fait, on dénudait une veine, tout simplement une saphène, et on mettait un cathéter dans une grosse veine à côté qui servait d'artère, en quelque sorte, pour retourner. Donc on ne s'amusait pas à dénuder une artère, c'était impossible, il y aurait eu un jet de sang d'un mètre. Mais donc on pouvait faire 5, 6, 7 dialyses comme ça tous les 2 ou 3 jours et arriver au stade où ça reprenait. Donc ça, déjà, l'insuffisance rénale aiguë, ça a sauvé des centaines de vies et ça s'est répandu dans tous les centres en France, que ce soit à Paris.
Paris, à Lyon, à Toulouse, enfin dans les grandes villes, et même dans des petites par moment. Donc ça, c'était la première étape. Donc ça montrait qu'on pouvait épurer l'urée et peut-être des toxines qu'on ne connaissait pas encore. Et ça, c'est dans les années 54 que ça a commencé. Moi, je suis arrivé comme interne dans ces années 57, donc c'était déjà en pleine activité. Et c'est là qu'on a eu tous ces cas d'insuffisance rénale aiguë, y compris après septique, par avortement septique, par erreur transfusionnelle. Maintenant, une fois qu'on a compris le mécanisme avec les tests, elle n'existe pratiquement plus. C'est tout à fait rarissime. À l'époque, c'était fréquent. Et puis, les grands polytraumatisés, les traumatisés de la route, etc., qui ont besoin d'être traités éventuellement. Bon, alors en parallèle, nous, on avait développé à Necker l'hémodialyse à partir du rein artificiel. Tout le monde parlait de rein artificiel à la télévision, etc. En même temps, d'autres, comme les équipes de Legrain, travaillaient sur la dialyse péritonéale qui donnait aussi des résultats. Mais quelqu'un qui a eu un traumatisme abdominal, bien entendu, on ne peut pas le faire. Et donc, l'hémodialyse était le plus fréquent. Ça, c'est la première étape. Alors, arrive le Belding Scribner, il est allé à Lyon, mais il avait été invité juste avant sur la route à Necker, dans les anciens locaux invraisemblables de la bibliothèque ou je ne sais plus de quoi, du service d'urologie, des locaux mais absolument minables. Et donc Belding Scribner, qui est un grand gaillard, bien rougeau, bien américain, débarquait là-dedans avec l'accent local. Moi, je comprenais à peu près rien à l'époque, mais enfin bon, grâce à des collègues qui étaient plus anglicistes que moi, on a compris ce qu'ils faisaient. Et du coup, exactement comme disait Jules Trégère à la télévision hier par le câble, ou par je ne sais pas où, immédiatement, on a dit, mais c'est fabuleux, si c'est vrai, on saute dessus. Et puis Ventelon est parti à Seattle et nous a ramené la technique et on s'est mis à dardard. Donc on avait vu qu'on pouvait traiter l'insuffisance rénale chronique en mettant un shunt, le célèbre shunt de Scribner. Alors avec des collègues dont, Ventelon était le premier qui m'a montré, puis après avec quelques-uns, Grapp, avec Mann, on était là, le noyau dur et Dieter Klinknecht, on posait un shunt en dernier lieu, mettons en moins d'un quart d'heure. Quoi. À la limite, même avec une panne d'électricité, on faisait au toucher. On a mis des dizaines et des dizaines et ça marchait très bien. Bon, mais ça avait quand même une limite puisque ça coagulait. Donc on a inventé la fistule après et ça s'est développé. Donc vous voyez, donc c'était quelque chose qui est parti. Et vous me direz, bon, mais tout le monde dit, ah, c'est moi qui étais le premier. Mais complètement égal, ce qui compte, c'est qu'on ait pu traiter les malades. Mais là où intervient Burger, c'est que dans la foulée de ça, peut-être au bout d'un an, on a vu qu'on arrivait à maintenir des gens en vie. Attendez, ils arrivaient dans un état absolument incroyable, enfin en urémie dépassée, comme on disait. Et on arrivait quand même à les maintenir, avec des difficultés, les chaînes qui se thrombosaient, qui lâchaient, qui fuyaient, etc. Bon, mais comment faire pour organiser ça? Bon, Trégère avait déjà démarré à Lyon. Il est devenu collègue après, un médecin de marine à Toulon, très en avance, qui était habitué à traiter les gens qui ont des accidents de plongée, etc. Donc il était au courant de la technologie. On avait fait à l'hôpital maritime de Toulon. Il y en avait dans différentes villes. Amburger convoque tranquillement avec le ministre qui s'appelait Boulin à l'époque, qui n'était pas encore suicidé, entre guillemets, une réunion à laquelle je vais demander, je n'étais pas invité, mais je lui dis est-ce que je pourrais y assister comme observateur, ce qui me permit de voir en une heure de temps, dans les locaux du ministère de la Santé, Amburger avait réuni les responsables de la santé et puis tous les néphrologues influents de France, peu importe leur nom. Mais donc chacun fait un petit exposé de 2-3 minutes ou 4-5 minutes. Au bout de trois quarts d'heure, Amburger, donc conclusion, d'après ce que vous me dites, il y aurait tant de cas à peu près par an. Donc il nous faudrait, puisqu'un appareil peut traiter tant de malades, donc il nous faudrait tant d'appareils. Bien, il y a en gros 10 grands centres de néphrologie, enfin ça s'est créé la néphrologie entre-temps, où ça, même s'il n'y avait pas le nom, de fait ça existait, des centres de traitement de l'insuffisance rénale aiguë. Donc il faudrait que chaque centre en prenne tant. Et donc vous trouvez encore maintenant très facilement les comptes rendus de cette réunion exceptionnelle, qui était la première d'ailleurs, conférence de consensus ou de, je ne sais plus comment, le titre qu'on avait donné, de l'INSERM sur le traitement prospectif du traitement de l'insuffisance rénale aiguë.
Et aussi, dans les mois qui ont suivi, tous les centres ont non seulement créé le nombre de postes. Alors, ben, attendez, il fallait aussi avoir l'attribution de crédit qui permettait de créer les postes. Ça coûtait très cher à l'époque, beaucoup plus proportionnellement que maintenant. Donc, il fallait installer les machines un peu préhistoriques qu'on avait. Ça a été fait dans les mois qui ont suivi. Et en plus, chaque centre a fait presque le double de ce qui était prévu. Donc, ça s'est développé très vite. Et puis par la suite, par son propre élan, les choses se sont développées. Donc si autant dit, si les affaires européennes étaient gérées par un Hambourgeois, il y a depuis au minimum 6 mois que les problèmes de crise grecque et d'organisation seraient réglés. Parce que la manière dont il avait géré cette séance, le ministre était présent, Hambourgeois a mené la séance de bout en bout, en une heure de temps c'était bouclé. Le secrétaire, je ne sais plus qui était secrétaire de la santé, peut-être Grenier, peut-être Richet, avait enregistré les choses, c'est paru après au bulletin officiel ou les mémoires, enfin je ne sais plus, non, mais de manière absolument officielle, et ça a été le premier symposium ou la première étude de l'INSERM qui a été faite pour un sujet, par la suite, on a eu d'État. Donc vous voyez à peu près, c'est un des exemples parmi d'autres. Alors, dans cette même séance, on avait dit, d'accord, mais pour faire de la DI, il faut quand même qu'il y ait des gens capables de le faire. Ce n'est pas une technique qui s'improvise comme ça. On jonglait avec des électrolytes, avec des désordres électroniques formidables. Eh bien, il faudrait des néphrologues, mais il n'y en a pas. Il ne s'appelait pas néphrologue, il n'y a encore personne. Comment faire? Dans cette même séance, quelqu'un dit, les anesthésistes sont habitués à mettre des cathéters dans toutes les veines les plus improbables. Ils ont une habileté manuelle, ils sont habitués à faire ces soins aigus. Eh bien, mais ceux-là, ils sont anesthésistes, ils n'ont pas de diplôme. Donc, dans la même séance, on a créé le certificat d'études spéciales de néphrologie, d'une durée de 3 ans, mais qui devait donner les premiers diplômés 3 ans après. Mais comme il fallait faire marcher ces 100 DI, on n'a qu'une attestation. Je ne sais plus si c'est moi ou un autre qui avait dit en Hambourgeois, mais dans le fond, pour faire marcher la chose, sans même connaître la théorie à fond de le traitement des maladies, il faut 3 mois. Les gens venaient se former à Necker, ils étaient formés en 2 ou 3 mois. Eh bien, on a créé une attestation qui s'obtenait, mettons, en 1 an d'année scolaire, ce qui veut dire en 9 mois en pratique, et des tas de gens de bonne volonté ont pu démarrer. Et c'est comme ça, donc première étape, traitement de l'insuffisance rénale chronique, montée, organisé immédiatement, sans traîner, et tout le monde était d'accord en disant c'est extrêmement intelligent, c'est ça qu'il faut faire, puis ça continuait tout seul. Alors en parallèle, Hambourgeois était passionné par la transplantation, et c'est pour ça que vous savez qu'il y avait une double activité, la dialyse d'un côté et la transplantation de l'autre. Alors la transplantation, c'était son enfant chéri, donc il a lancé les choses, et il a eu tout à fait raison, mais les deux méthodes étaient complémentaires. On ne pouvait pas transplanter de but en blanc quelqu'un, il fallait quand même qu'il soit maintenu en vie. Donc il avait donc inventé comme prétexte pour le ministère et pour les coûts exorbitants de la méthode, que c'était une méthode d'attente de la transplantation. Mais en réalité, c'est devenu une méthode à part entière. Et par elle-même. Les deux méthodes, vous avez vu en ce moment en France, il y a 35 000 malades vivent en dialyse et à peu près 35 000 avec un greffon rénal. Donc les deux méthodes concourent à en faire 70 000 patients qui sont traités. Alors on me dirait que je fais là-dedans. Bien, moi je prenais la troisième voie. Dès le début, d'ailleurs Hambourgeois l'a ébauché un peu dans des termes extrêmement littéraires, disant qu'en gros, les néphrologues visaient à scier la branche sur laquelle ils étaient assis, c'est-à-dire à trouver les traitements des maladies rénales qui éviteraient d'avoir à se faire dialyser. Et moi je voyais, étant tout près des malades, étant comme interne ou chef de clinique, que ce n'était pas vraiment avec joie que les gens se faisaient dialyser les malades chroniques. Ils ont une peur, d'ailleurs tous les gens qui sont dialysés cherchent à tout faire pour éviter la dialyse ou la transplantation. Eh bien moi, dès 40 ans avant, je pensais qu'on devait pouvoir arriver à améliorer le traitement médical, déjà symptomatiquement, pour tirer parti du reste des reins. En expliquant aux gens, si vous avez une voiture très âgée qui a fait 300 000 km, si vous voulez tourner, aller de Paris à Nice à 6 000 tours minute, elle s'arrêtera au bout de 50 km. Si vous roulez doucement, vous accélérez doucement, etc., votre voiture vous fera encore 100 000 km et vous y arriverez. C'est pareil pour les reins. Lorsqu'ils sont à la limite, eh bien, cette comparaison automobile
Tout le monde la comprenait. Et elle disait, d'accord, je vois, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et on leur donnait des règles qui restent valables maintenant, de traitement dit conservateur. Et déjà, des centaines de gens ont pu, par ce biais-là, retarder ou éviter carrément la dialyse s'ils étaient très âgés et qu'ils mouraient d'autre chose, qui est quand même le plus fréquent, ou la retarder nettement. Et ils se disaient, j'ai déjà gagné tant d'années. Et je leur disais, après, bon, on ne pourra pas faire ça éternellement, mais considérer que c'est du gain, c'est quelque chose en plus de ce que la nature avait prévu. Donc après, il faudra sûrement dialyser un jour, mais vous aurez au moins bénéficié d'un an, deux ans, trois ans de plus. Et certains, ça a été jusqu'à 10 ans. Et donc, vous, je ne sais pas si... maintenant, je peux en parler plus facilement puisque Pierre Ronco est parti. Pierre Ronco fait partie des gens qui travaillent sur le mécanisme intime de la progression des maladies rénales, de la fibrose rénale, qui en fin de compte est l'ennemi public numéro un en néphrologie. Le jour où on trouve un moyen de bloquer la fibrose ou de l'empêcher, les 9 dixièmes des gens qui sont actuellement dialysés ou transplantés ne le seront plus, n'auront plus besoin. Et il est vraisemblable qu'un jour, grâce aux travaux de lui et puis de dizaines d'autres équipes dans le monde qui vivent dans cette même optique, grâce aux outils actuels de biologie moléculaire, ou enfin disons toutes les techniques actuelles de protéomique, de génomique, etc., vont aboutir à trouver quels sont le ou les facteurs qui font que la fibrose progresse. Et on arrivera à trouver des antagonistes. Il y en a déjà qui agissent partiellement, mais enfin, ils sont difficiles à manier. Quelquefois, dans le show, on va arriver à trouver mieux. Et je suis certain, moi, qu'avant 10 ans, on aura déjà résolu la moitié des problèmes de nécessité de dialyse. Et les gens pourront vivre avec leur rein, même s'ils sont altérés à la moitié ou aux deux tiers. Un quart de rein suffit pour vivre, ou un cinquième. On peut vivre éternellement avec un cinquième de rein. Enfin, un cinquième de fonction rénale si on fait un régime ou des précautions adéquates. En plus, on a de nouveaux médicaments qui agissent par d'autres voies et qui sont protecteurs également. Et donc, on arrive dans une époque d'efficacité thérapeutique considérable. D'ailleurs, vous voyez, disons maintenant, les gens s'en rendent compte, on a été les premiers à l'écrire là, dans la dernière édition de l'insuffisance rénale chronique, en regardant les statistiques de rein, la progression de l'insuffisance rénale terminale dialysée freine au cours des dernières années. Au lieu d'augmenter, même aux États-Unis, au lieu d'augmenter de 5 ou 6% par an, ça n'est plus que de 1, 2, 3% par an. Parce qu'il y a des traitements efficaces, y compris pour le diabète. Et je pense que ça, à partir du moment où les gens ont pris conscience maintenant qu'on peut y arriver, alors là, l'optimisme revient, les équipes vont se brancher à fond là-dessus, des crédits, j'espère, vont être accordés là-dessus, de la même façon qu'à Pierre Ronco, mais c'est lui qui est en flèche à l'heure actuelle là-dessus, mais il faudrait qu'il y ait au moins 3-4 équipes, enfin, qu'ils développent encore plus, pour qu'on finisse par trouver le ou les traitements médicaux utilisables de préférence par voie orale, qui vont... Alors ça, c'est, pour moi, c'est un espoir formidable pour les années qui viennent. Et je suis sûr qu'on doit y arriver. Conceptuellement, c'est faisable. Il faut trouver le moyen de bloquer la fibrose rénale, plus un certain nombre d'autres choses. Donc vous voyez, à l'époque d'Amburger, il n'y avait pas d'autre solution que de remplacer les reins, soit par la dialyse, soit par la transplantation. Maintenant, on se dit, on va pouvoir, non pas les remplacer, mais les maintenir. Même quand ils sont déjà pas atteints considérablement, jusqu'à peu près au cinquième de leur valeur, on peut parfaitement vivre avec. Et ça, c'est formidable. Enfin, c'est quelque chose d'exaltant pour les jeunes qui démarrent la néphrologie. Mais il faudrait qu'il y en ait plus qui se tournent vers la recherche et vers ces abords médicaux du traitement. D'ailleurs, dans tous les domaines, en médecine, maintenant, il est de même. On attaque maintenant à la cause primaire de la maladie et on va y arriver. Regardez. Je prenais l'exemple des polyarthrites rhumatoïdes, qui sont des maladies absolument dramatiques où les gens ne peuvent plus se servir de leurs mains. Ben, grâce au traitement d'immunomodulation qu'on a maintenant, on arrive à bloquer le processus inflammatoire des articulations et à permettre aux gens de garder leur mobilité pendant peut-être éternellement maintenant, avec des traitements contraignants, mais on va trouver de plus en plus quelque chose de plus. Le diabète, on a entendu parler des gliptines. Moi, je trouve que c'est assez génial, parce que ça ne fait que renforcer un processus naturel. Ça va dans le sens de ce qu'a prévu la nature. Et il n'y a rien de tel que d'aller un petit peu aider la nature en renforçant le pouvoir de ses,
de ces incrétines, eh bien, le diabète va être transformé. Le diabète de type 2, qui est donc la cause majeure d'insuffisance rénale terminale, va pouvoir être attaqué au niveau du début du diabète lui-même, ou même lorsqu'il est déjà engagé. À ce moment-là, dans 10 ans, dans 5 ans, on aura moins de gens qui auront une insuffisance rénale terminale due au diabète, et moins de diabétiques traités par insuline. Donc vous voyez que moi je trouve ça formidable de voir l'évolution de la médecine actuelle. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. Par exemple, pour la première période, on a parlé de traitement d'insuffisance rénale aiguë. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a inventé, on s'est rendu compte qu'il fallait avoir des anciens internes qui sont habitués, qui avaient une formation complète, pour assurer les gardes d'urgence, puisque les gens qui avaient ces problèmes urgents arrivaient l'après-midi, la nuit, pas forcément aux heures ouvrables. Bon, et donc on a dit qu'il faut trouver une fonction, et on a inventé le mot de réanimation à l'époque, donc dans les années à peu près 70. Bon, donc le mot de réanimation existe depuis lors et correspond à une réalité. Alors donc, je fais partie des premiers réanimateurs. On a même, avec Dieter Klinknecht, eu la responsabilité au début, dans les nouveaux locaux de l'hôpital Necker, que les gens appelaient Palais du Rhin par la suite, enfin, le grand immeuble de 8 étages, une unité de 16 lits de réanimation. C'est absolument extravagant. Maintenant, personne ne pourrait arriver à tenir... disons, les gens ne sont plus habitués à travailler 10 ou 12 heures par jour. Bon. Et donc, dans une histoire qui m'a frappé là, dans cette unité, c'est une jeune fille ou une jeune femme qui avait eu un avortement septique et qui était dans le coma plus complet, en anurie, dans le service, dans l'ancien service de Necker, la salle Fouché. Elle était donc dans le coma complet, ou du moins l'impression que ça donnait. Il avait fallu l'intuber pour qu'elle puisse survivre, puisqu'elle ne respirait plus spontanément. Et donc, elle était couchée dans son lit, elle avait peut-être 18-19 ans, avec un état septique grave. Bon, on le traitait par antibiotiques intraveineux. Et il fallait donc aspirer la canule de trachéotomie, puisqu'on n'avait pas encore inventé l'intubation, qui est venue assez rapidement avec l'aide des anesthésistes. Donc, on avait fait une trachéotomie, et il fallait donc aspirer. Et un externe qui était de garde. Ce jour-là, avec moi, me dit, après avoir fait ça, devant la malade qui était à côté, me dit, elle n'a pas l'air bien, vous croyez qu'elle va s'en sortir? Moi, j'ai l'impression que... Alors, je l'ai arrêté comme ça, puis je l'ai pris à part, mais bien entendu qu'on va la sortir d'affaire, mais il n'y a aucun problème, mais seulement il y aura plusieurs jours d'anurie, il faut qu'elle se laisse aller. Alors, j'ai fait comme si je parlais à la malade, il faut vous laisser aller avec la machine, n'essayez pas. Elle dormait complètement, tout allait bien. Et puis j'ai pris le gant en lui disant, mais vous n'avez pas entendu ce qu'a dit Amburger, jamais on ne doit parler devant un malade qui est dans le coma en termes négatifs, car certains vous disent, entendent tout ce qu'on dit. Quelques jours plus tard, 5-6 jours plus tard, elle se réveille, elle se détube, enfin pratiquement ça, par elle-même, on tire dessus. Et puis le lendemain, la visite, on passait la visite, et il me semble que je reconnais une voix. Bon, j'étais l'interne de la salle, c'était moi qui m'en occupais directement. Et elle me dit, je crois que c'est vous. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, si elle va s'en sortir, etc. Je lui dis oui. Donc la preuve que les gens entendent et que ce qu'on voit partout dans les films, essayer de parler, etc. Donc ceci, ça m'a beaucoup frappé. C'est pareil, Amburger n'était pas de garde, mais il avait élaboré la règle parce qu'un de ses collègues lui avait dit, en discutant avec ses collègues qui étaient de la génération avant nous, mais qui avaient beaucoup d'expérience et de sens humain, et donc immédiatement en l'appliquant, et on s'est rendu compte que ça a rendu service à beaucoup de malades qu'on croyait dans le coma, mais qui en réalité pouvaient comprendre, et y compris participer à leur traitement, parce que c'est très gênant de respirer, j'ai jamais essayé, mais avec une canule dans la trachée, il faut se laisser aller avec la machine. Maintenant, les appareils qu'on a sont beaucoup plus souples, il n'y a même plus de problème, mais à l'époque, c'était pour lutter contre un angstrom, c'était extrêmement difficile. Alors, donc ça, c'est ma petite histoire qui m'a frappé et qui m'a fait plaisir de voir que ça avait donné vraiment un tel résultat pour les patients. Après ça, est arrivé un jour où j'étais de garde que j'étais appelé à voir une de nos infirmières qui avait eu une hépatite. C'est dans les années 75.
Les hépatites B, on en avait partout, on est en dialyse. Tous les services de réanimation, les infirmières, les médecins de temps en temps, les malades bien sûr. Et cette petite infirmière, on la connaissait, elle travaillait avec nous, avait contracté, elle fait une hépatite fulminante. Je ne savais même pas qu'elle était là dans le lit. Bon, on la découvre là, ça venait de lui tomber dessus 48 heures avant, elle est d'ailleurs morte 3 jours après. Mais entre-temps, Burger avait convoqué le professeur Fauvert, Jean-Pierre Benhamou, enfin tous les gens les plus éminents dans le domaine de l'hépatologie, pour ce qu'on pouvait faire. On a même été jusqu'à discuter de circulation croisée avec un chimpanzé qui aurait pu épurer pour le foie. Bon, c'était infaisable. Mais pour dire qu'on allait au fond des choses, on se battait pour arriver à faire. Et donc cette pauvre fille est morte, ça m'avait énormément frappé, une simple hépatite. Bien. Donc j'ai commencé à m'intéresser, bien entendu en accord avec Burger, au problème de l'hépatite. On a fait nos études épidémiologiques, on a vu que c'était absolument catastrophique, la transmission, que ce soit les malades dans les centres de dialyse qui la passaient les uns aux autres, les médecins qui voulaient la contracter, certains en sont morts, on ne parle pas dans le service, mais ailleurs dans le monde. Et donc on s'est attaqué au problème. Donc on avait toutes les bases épidémiologiques, et c'est à ce moment-là qu'est arrivé des prémices d'un vaccin. On cherchait depuis longtemps, on cherchait à avoir un vaccin comme toutes les maladies infectieuses, bien entendu. Mais enfin, les virus, c'est pas toujours facile. Et donc, arrive dans le service, plus exactement, on avait des nouvelles d'un virologue de Tours, dont j'ai oublié le nom sur le coup, mais il me reviendra peut-être, qui avait fabriqué un vaccin maison, si je peux dire, à Tours. Bon, il s'est rendu compte quand même que Tours était un petit peu petit pour se lancer dans une aventure pareille, avec les responsabilités que représente un vaccin. Il est venu voir Mlle Delonge, qui gère un très gros centre de dialyse pour les jeunes, les étudiants, etc., et qui travaillait avec nous en permanence, en lui disant, voilà, il faudrait qu'on teste ce vaccin sur vos malades. Bien sûr, mais je ne veux pas faire ça comme ça, et elle m'en parle. Comme tout ça s'enchaînait en quelques heures de temps. Moi, je lui dis, c'est un problème, c'est passionnant, il faut absolument qu'on saute là-dessus, qu'on ne laisse pas passer, mais on va aller voir M. Burger. Donc, je vais voir M. Burger dans son bureau, qui me dit qu'est-ce qu'il y a, etc. Et donc, très bien, je ne sais plus comment s'appelle ce virologue, qui vienne me voir dès qu'il veut, demain, après-demain, il était à Tours, il saute dans sa voiture. 48 heures après, il était dans le bureau d'Burger. Qui dit, bon, il faut absolument qu'on passe. Si vous êtes d'accord, elle dit, gars, il faudrait qu'on puisse passer par l'Institut Pasteur parce qu'ils ont le savoir-faire et puis il y a la garantie, le nom de l'Institut Pasteur. Et ça a été fait. Et le premier, c'est l'aventure du vaccin Pasteur est partie de là. Et donc, tout ça s'est enchaîné. Après, on l'a coordonné, ça a été publié. Et alors, petit détail. À un moment donné, on avait réuni à l'Institut Pasteur, dans l'ancien amphithéâtre du temps de Pasteur, un vieil amphithéâtre vermoulu en bois, enfin absolument sinistre, je ne sais pas s'il existe encore, et tous les néphrologues étaient réunis là en disant, voilà, il faudrait faire un essai randomisé, parce qu'on avait demandé l'avis de Schwartz là-dessus, je l'avais demandé. Et d'ailleurs, ils avaient créé un comité d'éthique, puisque c'était une décision très lourde, si on faisait un essai randomisé, fait que la moitié des gens, bien sûr, reçoivent le vaccin, l'autre moitié ne l'est pas, et qu'on regarde qui aurait une hépatite. Pour cela, ça semblait une décision. J'avais entendu parler du comité d'éthique aux États-Unis, il n'existait pas en France. Donc, il réunit dans son bureau, j'étais Jean Bernard, comme d'habitude, quelques grands noms, et Schwartz, qui dit, pour moi, il n'y a pas d'autre solution dans l'état actuel des connaissances que de faire un essai randomisé. Donc, il faut en accepter les contraintes, mais après, le bénéfice va être colossal. Bon, on dit très bien, nous, ça nous paraît évident. On ne connaissait pas encore bien, mais on faisait absolument confiance à Schwartz. Et puis, il y avait des publications américaines qui commençaient à sortir avec des essais randomisés, avec le terme même de randomisé, où on comprenait ce que ça voulait dire, de manière assez précise. Et on réunit tous les néphrologues de France qui ont voulu à l'Institut Pasteur. À la fin, en disant, voilà, il faudrait y en exposer par un des assistants de Schwartz, par d'autres. Et à la fin, on interroge, alors est-ce que vous êtes décidé, est-ce que vous voulez partir? Personne. De leur dire non, on ne peut pas accepter que pour nous, les malades, qu'il n'y a qu'à le faire à tout le monde, et puis on comparera ce que vous aviez dans vos données d'il y a 2 ans. Enfin, bon, et Schwartz, à qui on raconte ça, ou M. Burger, ils disent, c'est désolant, on réunit dans son bureau, et ils disent, s'il n'y a pas moyen, si personne ne veut, on fera un essai historique, comparatif, mais vraiment, vous aurez du mal,
sur le plan international, l'a développé. Mais je dis à Hambourger à ce moment-là, parce qu'on parlait très, très librement, comme ça, je dis, ça c'était par oral. Je dis, l'expérience que j'ai, c'est qu'une foule, le niveau s'abaisse au lieu de s'élever dans une foule. Les réactions comme ça, épidermiques, orales, ça n'est pas, on ne peut pas se baser là-dessus. Je dis, il vaudrait mieux avoir un document écrit. J'aurais été partisan de l'écrit. Et donc, si vous voulez, je vais vous faire un... Alors, j'ai fait un petit machin, une petite lettre en deux pages qui exposait des motifs en cinq points ou quatre, je ne sais plus, mais enfin, de manière extrêmement claire. Et on l'envoie, je dis, avant de se décider à faire en quelque sorte au rabais, essayons. Si ça ne marche pas, si les gars refusent. Et à la fin, je ne m'étais pas, êtes-vous d'accord pour participer, selon des vieilles règles psychologiques, mais en remettant combien de malades pourriez-vous mettre dans l'essai et combien de médecins? Non pas voulez-vous que, mais un peu comme quelqu'un, vous n'êtes pas sûr qu'il vienne, vous ne dites pas est-ce que vous viendrez à Montmartre, mais à quelle heure est-ce que vous venez ou aura lieu la réunion? Tout le monde a répondu. Tout le monde a répondu positivement et tous ont mis un chiffre. Alors, on a organisé ça avec l'Institut Pasteur et puis ça a tourné et le vaccin est sorti. Alors, petit détail, les Américains avaient commencé à publier, on savait, dans le New England et les experts américains, leur comité d'éthique, avaient dit, alors on commence par qui? Par les malades, les dialysés ou les médecins? Croyez-vous qu'on prit comme choix les Américains? Ben, on va faire d'abord les malades. D'abord les dialyser, puis on fera les médecins peut-être après. Ben, je dis à Hambourger, c'est lui qui l'a dit le premier, on va faire l'inverse. On va faire d'abord les médecins, le corps soignant, si on peut dire, et on démarrera les patients. Après, on fera les deux, mais on commence par là de manière exemplaire, de façon inspirée, confiante. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est paru dans le Lancet, le vaccin a été validé, depuis lors, il y en a eu plusieurs séries. Mais c'est donc de là que les choses sont parties et que ça a pu être publié en 81 et distribué en... Attends, on ne pouvait pas fabriquer des millions de doses d'emblée. Et donc, en priorité, au centre de réanimation, de chirurgie cardiaque, de réanimation polyvalente, parce que ça a été fragmenté par la suite, et de néphrologie, bien entendu. Et depuis, on n'entend pratiquement plus parler d'hépatite B. Par contre, l'hépatite C résiste. On avait mis les tests au point... Oui, ça s'appelait Maupa, le virologue tourangeau, qui était extrêmement dévoué, qui s'est tué en voiture en venant de ses multiples voyages, en venant de l'aéroport pour aller à Tours. Enfin, une nuit où il revenait. Mais donc, oui, ça, c'est aussi quelque chose qui me fait plaisir, parce que là, on a résolu le problème de l'hépatite B qui bloquait complètement la dialyse. C'était une plaie absolument totale. C'est fini. Et l'hépatite C a été résolue par des moyens, disons, de précaution, d'hygiène, etc., de manière assez... Il y en a encore, bien entendu, mais enfin, on a pu résoudre ce problème. Un autre problème qui m'a marqué, c'était que j'ai vu deux fois, enfin, disons, à quelques semaines ou mois de distance, des jeunes femmes qui avaient un lupus érythémateux disséminé avec une atteinte rénale, et à qui on avait, qui était enceinte, et à qui on avait pratiquement imposé un arrêt, une interruption thérapeutique de grossesse, avec il fallait trois experts, médecins, dépendants, etc. Et donc, proposer comme seule solution possible dans le lupus, qui était très grave, c'est les maladies vedettes de Sigui, etc. Et moi, ça m'est frappé parce que j'ai toujours pensé que, avoir un enfant était une chose importante dans la vie des gens, que ce soit la mienne ou celle des autres, et que ça passait avant tout. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a attaqué le problème épidémiologique, avant même que l'épidémiologie, que le mot soit créé vraiment en néphrologie, dans les glomérulonéphrites, y compris dans le glomérulonéphrite du lupus. Et on a fait une grosse étude là-dessus avec des collègues qui sont tous devenus d'ailleurs rhumatologues et professeurs dans les différents coins de Paris. À l'époque, j'étais déjà quand même agrégé ou l'équivalent, et ils étaient internes, passionnés par le sujet. Et on a trouvé, qu'effectivement, beaucoup de femmes qui avaient une glomérulonéphrite pouvaient avoir une grossesse sans détruire leur rein et en ayant un bon pronostic de l'enfant, y compris celles qui avaient un lupus érythémateux. Et donc on a pu donner des règles qui sont toujours d'actualité, même elles sont répandues par tout le monde. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de nom marqué là-dessus, mais c'est parti de là il y a presque une trentaine d'années, et je pense qu'on a rendu vraiment un service ou l'espoir à des tas de
plusieurs dizaines ou centaines de femmes dans le monde, parce que j'étais invité à en parler aux États-Unis ou je ne sais pas où, enfin un peu partout, et tout le monde s'est précipité sur ces statistiques et ont vérifié qu'il y avait des règles qui permettaient de savoir si on pouvait ou non laisser évoluer la grossesse, et c'était la majorité des cas. Donc au lieu de faire des interruptions de grossesse thérapeutiques, parfaitement encadrées, mais il valait 100 fois mieux que les femmes puissent avoir leur enfant. Et ça m'a paru aussi quelque chose de sympathique. Donc vous voyez qu'on a, dans le domaine toujours conservateur, toujours essayé de tirer parti des reins des gens en les adaptant aux circonstances, aux problèmes, etc. Et alors, la principale découverte qu'on a fait pour cette fameuse rapport entre reins et grossesse, eh bien, c'est qu'il fallait une très bonne entente entre néphrologues, accoucheurs, anesthésistes, etc. C'est-à-dire qu'une approche, comme on dit maintenant, pluridisciplinaire, mais on le faisait sans prononcer le mot, et en disant qu'il fallait une bonne coopération entre les trois, c'est-à-dire que chacun soit au courant de ce qu'avait prescrit l'autre et qu'on ait les mêmes règles. Donc on a fait je ne sais pas combien de réunions, y compris dans différents pays européens. Pour moi, le meilleur souvenir que j'ai pour ça, c'était au Portugal, où la société du Portugal, plus intelligente que les Françaises à l'époque, ont réuni d'emblée dans le même amphithéâtre, c'est un pays plus petit, ils avaient les néphrologues et les accoucheurs. Et tout le monde est sorti de là en ayant une règle de conduite extrêmement simple pour dire voilà que par quel bout on prend le problème, comment on peut savoir si on peut laisser la grossesse et comment faire pour qu'elle se passe bien, que l'enfant naisse, qu'on fasse une césarienne en temps voulu, etc. Bon, mais ça me fait plaisir aussi parce que j'ai eu des échos de ça encore pendant des années où des gens me téléphonaient en disant ben vous qui avez regardé le problème, j'ai une patiente qui a tel ou tel problème, est-ce que vous croyez qu'on peut. En disant, ben oui, en effet, vous faites ci, vous faites ça, bon, ben c'est ce qu'on a déjà fait, bon, ben on va continuer, c'est bien, on aimait mieux être sûr, etc. Donc vous voyez, comme quoi, on a immédiatement fait quelque chose qui peut servir à tout le monde, mais aux quatre coins du monde. Et je pense que des tas d'autres ont fait la même chose, et on a pris leur savoir-faire à notre compte après. Ils changent de bon procédé. Mais en fait, c'était un des sujets qui m'a le plus passionné, dans ces années-là. Et alors là, en dernier lieu, mon dernier combat, mais je ne peux pas le continuer maintenant parce que je n'ai pas la possibilité, il faut plus de possibilité d'entrer à l'hôpital, ça a été d'essayer de faire que les gens soient pris en charge pour l'insuffisance rénale avec les conseils d'un néphrologue, même sans venir tous les mois voir les mecs, qu'il y a une bonne coopération entre les médecins généralistes ou les diabétologues et les néphrologues qui se mettent d'accord sur une conduite commune et des règles qui permettent de prolonger de plusieurs années l'autonomie des malades qui ont une maladie rénale, alors que s'ils ne connaissent pas les bonnes règles ou s'ils ne les appliquent pas, peuvent se retrouver dans un sens rénal terminal quelques mois plus tard. Et donc, c'est ce qu'on appelle la prise en charge précoce. Alors maintenant, je pense que l'idée est répandue. Eh bien, il y a 20 ans, on écrivait des articles pour dire, en France, il y a 25% des gens qui entrent en dialyse en urgence dans de mauvaises conditions. À l'heure actuelle, il y a une enquête qui a été récemment faite, y compris par nos collègues en Lorraine, c'est pas 25% qu'il y a, c'est 30%. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun progrès. Parce que c'est la prévention, les gens aiment bien prononcer le mot, mais le faire dans la réalité, c'est beaucoup plus. Je ne sais pas pourquoi il y a un barrage, ou alors les gens ne veulent pas entendre parler d'insuffisance rénale, ça leur fait peur. Le dernier combat que je n'ai pas pu faire, il faudrait écrire un bouquin là-dessus, c'est comment expliquer aux gens la manière de supporter au mieux leur maladie et de comprendre comment faire pour la supporter, la dominer pendant le plus longtemps possible, et quand on est obligé de recourir au traitement tel que la dialyse ou la transplantation, le faire en connaissance de cause, mais le plus tard possible. La plupart des gens souvent leur disent « Oh là là, etc., je voudrais bien mourir », mais on leur dit « Oui, mais le plus tard possible, d'accord ». Eh bien là, je veux bien dialyser un jour, mais le plus tard possible, en étant certain qu'on a fait tout pour prolonger la vie du rein. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Je suis certain que ça peut se faire, mais ça demande. Alors, le dernier problème, c'est de s'intéresser aux gens. Il y a un politique, dont je ne citerai pas le nom en France, qui a dit qu'il ne faudrait pas faire de politique si on n'aime pas les gens.
Et moi, je dirais à bien plus forte raison, il ne faut pas faire de médecine si on n'aime pas les gens. Donc, il faut aimer les gens. Mais quand je faisais une consultation, une première consultation de quelqu'un qui venait me voir pour la première fois, mettons que j'avais une demi-heure à peu près, parce qu'il faut quand même que tout le monde puisse venir, les 20 premières minutes passaient à discuter, que les gens me racontent comment ça s'était passé pour eux, mais comme, de façon à voir comment ils vivaient, comment ils avaient perçu leur maladie. Moi, je les laissais parler en disant, mais que, qu'est-ce que vous ressentez que, comment est-ce que vous voyez ce que vous avez, qu'est-ce qu'on vous a dit, qu'est-ce que vous avez fait comme traitement, et en plus, qu'est-ce qui vous réussit de votre point de vue, que vous supportez bien ou pas. Nantis de tout ça, je ne sais pas comment ça vous fonctionne, mais il y a des ordinateurs là-haut qui intègrent le tout, et on arrive à trouver un traitement dont les bases étaient communes, les bases physiologiques ou physiopathologiques, mais adapté aux conditions de vie, à l'âge, etc., des gens. Et voyez donc quoi, ils pouvaient adapter à leur vie. Et donc, j'ai vu comme ça des gens qui avaient nécessité d'aller, par exemple, à New York, ce qui était travailler dans la finance une fois par semaine, dire, moi, j'ai ce poste-là pendant un an, je ne voudrais pas qu'on sache que j'ai des problèmes. Je dis, si vous êtes d'accord pour faire un régime très, très strict, bon, laissez tomber les restants. Mais mes docteurs, mais je passais des années tout le temps avec des déjeuners d'affaires, ça m'est complètement égal. Au contraire, ça me donnera une raison pour éviter de le faire. Enfin, c'est la faculté qui leur donne, donc à ce moment-là, ça ne vexe personne. Eh bien, ils ont pu tenir un an, et puis après, étant revenus à Paris stable, débuter leur dialyse tranquillement. Donc, j'ai vu un employé des PTT, qui sont archi-syndiqués dans ce métier-là, qui était syndicaliste lui-même, et donc je me disais, bon, ben lui, s'il est dialysé, il va être soutenu par pas du tout. Il me dit, je ne veux absolument pas qu'on sache que j'ai une insuffisance, personne ne le sait, je ne veux pas être dialysé, Et je lui dis, mais pourquoi? Alors, en fin de compte, après 5 ou 10 minutes, j'ai fini par comprendre qu'il ne voulait pas qu'on sache qu'il était dialysé. Et que si donc il venait dans la journée, qu'on prenait les gens le matin ou l'après-midi, on allait le savoir puisqu'elle était obligée de demander une journée de congé, ou je ne sais pas quoi, les RTT n'existaient pas encore à l'époque. Et donc, je lui dis, ben, alors je vais voir mes collègues, Zingraf ou Mann, s'occuper de la dialyse, hein, qu'est-ce qu'on peut faire pour cet homme? Ben, on va le prendre un soir. Alors, très bien, il est venu un soir, à 6h du soir, et on a démarré sa vie. On a fait une séance exceptionnelle pour lui, pour qu'il puisse... Attends, les séances au début sont courtes, hein, on fait que 2 heures pour pas... Et donc, on a pu lui faire une séance hors la vue de tous ses collègues, et après, je lui dis, bon, ben, on va calculer des horaires qui vous conviennent, et personne n'en saura rien, mais moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que dans une collectivité comme ça, il y ait une ambiance telle qu'il en soit... à ne pas vouloir qu'on sache qu'il avait une... Et c'est très fréquent à l'heure actuelle. Donc j'ai vu comme ça pendant mes dernières années, enfin, des années, très souvent, fait comme vous, c'est-à-dire supprimer le déjeuner, pour pouvoir prendre en consultation, entre midi ou midi et demi et 2 heures, des gens qui travaillaient, qui disaient, moi, il y a du chômage en ce moment, etc. Ben, je lui dis, ben, je ne sais pas pour tout le monde, il y a des gens âgés ou des gens qui n'avaient pas d'activité, qui pouvaient venir n'importe quand, mais ceux qui étaient en travail, bien je les voyais à midi et demi ou à 1 heure, et on pouvait résoudre leurs problèmes comme ça, et puis retourner travailler après. Donc oui, il y a tout un ensemble de choses qui font qu'on peut humaniser, si je peux dire, la médecine. Je pense qu'en cancérologie, ça pourrait être du même ordre d'idée, mais enfin, en tout cas, nous, on peut le faire. Alors l'exemple que j'ai eu dans ce domaine, dehors des horaires un petit peu sains, eh bien, c'est Jean-Bernard dont je parlais au début, vous le savez ou vous ne le savez pas, enfin, au sommet de sa gloire, alors qu'il est connu dans le monde entier, Jean-Bernard continuait jusqu'à, je ne sais pas, 70 ans, parce que lui a eu le droit de prolonger à cette époque-là jusqu'à 70 ans son activité, depuis toujours, venait dans le service à 8h du matin à Saint-Louis. De 8h à 9h, recevait les familles des enfants, les parents des enfants qui étaient hospitalisés pour une leucémie ou pour une maladie grave de ce genre-là, ou d'autres, pas forcément uniquement des enfants. Toute sa vie, de 8h à 9h, a reçu personnellement lui-même les parents des enfants ou des gens qui avaient un problème grave, parce que le fait de voir Jean-Bernard, c'est comme s'ils avaient vu Dieu le Père. Et moi, j'ai trouvé ça absolument admirable. Alors nous, on arrivait... pour faire la visite vers 9h, 9h30, il fallait bien que les infirmières fassent leur travail avant, on ne peut pas venir à 7h, mais toute sa vie, il l'a fait.
En Burger, lui, il n'avait pas le même problème, mais il arrivait quand même à 8 heures du matin pour commencer déjà à travailler alors même que personne n'est encore arrivé dans le service. Ben, je dirais que oui, c'est. Moi, je trouve que la médecine, c'est un métier qui est passionnant parce que, d'abord, c'est effectivement, intellectuellement, c'est tout à fait passionnant, mais surtout sur le fait qu'on a la certitude qu'on peut faire quelque chose pour améliorer les gens. Enfin, moi, je sais pas, j'ai ça en moi, c'est ça qui me plaît dans ce domaine. Et disons que le fait de savoir qu'on fait ça, ça donne de l'enthousiasme. Alors, tous les gens m'ont toujours reproché l'enthousiasme. Alors, ou certains, comme ça, ironiquement. Alors, je leur conseille de relire Euripide ou Eschyle s'ils ont le temps, où Euripide fait dire à un vieillard qui se rend au fait dionysiaque, etc., avec ardeur, en courant avec un de ses copains, qui lui dit, mais comment ça se fait-il que vous, qui êtes vieux comme ça, vous courriez aussi vite? L'enthousiasme, c'est l'enthousiasme qui nous empêche de vieillir, ou de sentir la vieillesse. Donc, vous voyez, alors moi, je m'abrite derrière Euripide. Et deuxièmement, en médecine, on peut toujours faire quelque chose d'utile pour les gens, soit qu'on puisse les soigner directement, soit qu'on fait de la recherche et on sait qu'elle va déboucher sur quelque chose qui leur servira, soit en écrivant des bouquins où les gens qui le lisent disent, tiens, c'est la situation que je connais, donc il a l'air de connaître ce qu'il faut faire, je le fais, et ça va aller, effectivement, ça ira mieux. Et donc d'être utile. Alors là, je m'abrite derrière un de vos compatriotes. Léonard de Vinci est arrivé au Clos Lucé avec François Ier, l'avait invité. Au moment où il arrive au Clos Lucé, donc il avait un grand âge, c'était un des rares à vivre aussi longtemps, alors que François Ier lui demandait d'assécher les environs de Chambord, etc., enfin, simplement l'équivalent d'une province entière, ou dériver la Loire pour ça, enfin quelque chose. Alors Léonard de Vinci écrivait « Je ne me lasserai jamais de chercher à être utile ». Alors si Léonard de Vinci l'a dit, plus grand génie de tous les temps, modestement, peut essayer d'en faire autant et d'essayer d'être utile par n'importe quel moyen. Alors pour moi, pour l'instant, c'est en essayant de condenser l'expérience qu'on a dans différents domaines, dans des livres qui sont à la fois assez nourris sur le plan théorique, mais avec des solutions, des recommandations pratiques. On ne s'abrite pas derrière des faux fuyants, on dit carrément tel ce qu'on fait, tout en restant dans le cadre légal, si je peux dire, mais en prenant parti et en donnant des recommandations concrètes sans les laisser dans le vague, en disant faites comme vous voulez. Non, il y a la théorie et la pratique. En réalité, il n'y en a pas. Je pense que la conception qu'on avait eue en France de la triple mission d'enseignement, de clinique et de recherche qu'on avait assignée aux gens qui étaient professeurs et médecins et praticiens hospitaliers en même temps, c'est assez théorique. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour la recherche, d'autres qui sont faits pour la clinique et d'autres qui sont faits pour l'enseignement, les plus brillants étant excellents dans tous les domaines. Mais je dirais que la fonction première des universitaires, c'est d'enseigner. On ne devrait pas nommer professeur quelqu'un qui n'aime pas enseigner. On dit qu'il ne faudrait pas être médecin si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas les soigner. On ne devrait pas être professeur si on n'aime pas enseigner. Or, j'ai vu un certain nombre de gens qui n'aiment pas enseigner, s'ils aiment, ils ne savent pas. Il faut quand même un minimum de clarté d'esprit, d'esprit de synthèse, de capacité d'exposer des choses. Donc je pense déjà que dans les hôpitaux, les deux choses primordiales pour les professeurs, j'entends, c'est à la fois la capacité à diriger les soins, à donner l'exemple, à apprendre par compagnonnage aux autres, et d'enseigner. Alors, la recherche là-dessus, elle est indispensable. Alors, on a deux niveaux de recherche, ou même trois. On a la recherche absolument fondamentale, par exemple, que font les physiciens et les chimistes, bon, ça c'est hors de portée des médecins la plupart du temps, sauf certains qui ont commencé par faire normal sup physique ou des choses de ce genre, une formation haute enseignante et qui se dirigent vers la médecine après. Mais ça, c'est absolument très rare. C'est absolument rare. Alors, la deuxième, c'est
la recherche appliquée, la recherche clinique, ça, tout le monde devrait y participer. C'est-à-dire participer à des essais thérapeutiques, parce que ça oblige à la discipline dans le respect des règles, d'un protocole, du recueil des critères biologiques qu'on va utiliser, ou radiologiques ou autres. Et puis, entre les deux, il y a une recherche, disons, qui n'est pas vraiment fondamentale, mais qui est au-delà ou en amont, plus exactement, de la recherche clinique. Et là, ça dépend des dons individuels. Et d'ailleurs, ces dons, on les a surtout quand on est jeune, ils continuent toute la vie, ou ils disparaissent un jour ou l'autre, ne serait-ce que parce que les gens montent en grade, ils sont assommés de charges administratives. Donc je serais tenté de dire que pour les jeunes, si, mettons qu'ils sortent de l'internat ou qu'ils viennent en formation dans les premières années après la fin de l'internat, il faut sentir soi-même ce vers quoi on est attiré. Certains d'emblée font la preuve qu'ils ont le don de la recherche en eux. Je pense à Jean-François Bach, à Necker, qui est maintenant secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et qui a donc eu une carrière de recherche dès son internat. Je pense à Pierre Roncaud, qui, étant déjà plus âgé maintenant, mais continue à faire de la recherche, qui se rapproche du fondamental, si on peut dire. Bon. Et je pense que c'est les jeunes qui ont en ce moment le plus de facilité pour se lancer dans les techniques de biologie moléculaire, qui pour eux, plus l'outil informatique qui va plus ou moins avec, et qu'on fait ça à 20 ans ou 25 ans, c'est un peu comme pour entrer à Polytechnique, on n'y entre pas à 30 ans, on y entre à 17 ans ou jamais, ou 18 ans. Bon, donc c'est de cet ordre d'idée, et qu'on devrait profiter de repérer, c'est facile, les jeunes qui ont cette aptitude, alors chaque qu'ils en fassent, mais qu'on leur donne un cadre de vie possible, un salaire, disons, au moins égal à celui qu'ils avaient quand ils étaient internes, et qu'ils puissent donc faire bénéficier les gens de leur aptitude à la recherche, quitte après à ce qu'ils évoluent vers une médecine d'exercice, mais de bonne qualité, et d'enseignement. Il y a des chercheurs qui sont de très bons enseignants, mais il y en a d'autres qui sont incapables d'écrire trois lignes de diffusion de leurs idées et de faire d'enseignement. Donc, là aussi, moi, je crois que c'est au chef d'une équipe de repérer les qualités des gens qui sont... Enfin, on fonctionne par équipe. Et donc, dans une équipe, avoir des gens complémentaires. Il faut avoir un certain nombre de gens très aptes à la recherche, d'autres plus... Enfin, meilleurs enseignants, meilleurs communicants. Et puis, je pense que tout le monde doit s'efforcer d'avoir un bon abord clinique et une très bonne connaissance clinique. Alors, vous avez dû voir aux États-Unis que dans ces fonctions hospitalo-universitaires, on fait tourner les gens qui ont la charge pendant 2 mois. Alors les chercheurs, mettons, sont à leur labo 8 ou 10 mois par an, mais sont obligés pendant 2 mois de faire le grand tour, enfin de visite le matin, donc sont obligés de se remettre à porter des malades et voir à quoi sert leur recherche, et également de faire de l'enseignement. Mais certains seront plus aptes, étant plus âgés, à gérer les choses, ce qui est devenu maintenant un poison. J'ai vu des directeurs de recherche de l'INSERM passer la moitié de leur temps à courir après des crédits et ne plus avoir le temps même de lire, de se tenir véritablement au courant, d'essayer de trouver les moyens d'existence de leur équipe, de leurs doctorants et de post-doctorants, à la chasse au crédit pour le labo et pour faire vivre les collaborateurs, et c'est tous les jours un peu plus difficile. Donc en somme, le bon équilibre, c'est à trouver pour chacun, mais c'est au chef de l'équipe de connaître les aptitudes des gens qui sont avec lui et de les utiliser au mieux, mais en fonction de leur âge, de la période, et puis même peut-être de changements dans leur vie, d'envie de changer, etc. Oui, alors à ce moment-là, quand on fait ce qu'on aime, on le fait bien et ça donne des vrais résultats. Et en plus, il faut garder, alors ça on a ce privilège en médecine, des petites unités, car les grandes structures sont, enfin, disons, peu efficaces. Je crois qu'il faut des petites équipes où les gens s'entendent bien entre eux. Donc la plus grande difficulté, c'est d'éviter les conflits de personnes, les jalousies, de bien définir dès le début pour la recherche, par exemple, à l'avance l'ordre des signataires d'un papier en fonction de ce qu'ils ont fait, en fonction de leur stade de cursus, etc. Si on arrive à créer une bonne ambiance de ce genre, éviter les conflits, je pense qu'on double ou on triple le rendement de recherche d'une équipe. En médecine, dans un service,
il faut que les gens soient interchangeables. Par exemple, il faut que dans une grosse équipe de néphrologie, les uns seront plus spécialisés en transplantation, les autres plus en, mettons, insuffisance rénale chronique. Enfin, mais il faut que chacun, éventuellement, en cas de besoin, puisse remplacer les autres. Ben, je pense que c'est l'aspect essentiel de la médecine, en dehors de la recherche et de l'enseignement qui ne se fait qu'à l'intérieur du corps médical lui-même ou des scientifiques. Le rapport du médecin soignant vis-à-vis du patient, le rapport médecin-malade, pour moi, c'est absolument essentiel. C'est intuitif. Certains ont ça en eux-mêmes de savoir par comment l'optimiser, d'autres non. Et on dit que c'est que la formation scientifique actuelle est en cause, j'en suis pas sûr. Je crois que c'est le tempérament propre des gens et le fait qu'un abord humain ou humaniste vis-à-vis des patients dans ce rapport, ça ne vient que de l'exemple le terme de maître s'emploie de moins en moins maintenant, mais enfin disons des anciens avec qui ou des patrons avec qui on a travaillé. Pour moi, c'est intuitif. Pour moi, j'ai toujours aimé le contact avec les gens. Si je n'avais pas été néphrologue, je pense que j'aurais été psychiatre ou neuropsychiatre pour avoir un rapport, disons, approfondi avec les gens. Mais je me suis aperçu à l'usage qu'on pouvait soigner les gens. Et ça, j'ai vu ça depuis très, très jeune. Je voyais quand j'étais externe et que je passais, eh bien, par exemple, c'est une époque où on faisait les externes mettaient en place les perfusions de produits contre la tuberculose. Je ne sais pas si vous voyez ça, avec des vieux tuyaux de caoutchouc, des aiguilles qui étaient grosses comme la moitié du petit doigt, qui étaient plus ou moins abîmées du bout, qui faisaient un mal terrible aux gens à qui on le mettait. Alors quand j'étais externe, je n'étais pas obligé, c'est les infirmières qui le faisaient, mais je voulais apprendre. Donc j'avais appris avec les infirmières à le faire, et puis quand je le faisais, pour donner une idée de comment on peut faire, je lui disais, mais je veux pas cette aiguille-là, j'en veux une neuve qui pique bien. Bon, et donc les gens, quand je le faisais, ils n'avaient pas mal, puisque c'était une aiguille qui piquait. C'est pas la largeur de l'aiguille qui fait mal, c'est la qualité de la pointe. Bon, et donc j'étais tout à fait content. Et donc, par exemple, une malade comme ça, qui était assez désespérée dans son lit, d'ailleurs, morte la pauvre quelques temps après, elle a peut-être, je ne sais pas, 40 ans, avec une tuberculose absolument envahissante. Et donc, on mettait des perfusions, parce qu'il devait bien faire quelque chose, le PAS, des produits comme ça. Elle tricotait un petit chien en laine. Elle faisait des petits chiens en laine. Alors, elle me dit, elle vous portera bonheur. Alors, j'ai pris le petit chien en laine, je l'ai accroché à l'arrière de la voiture. Comme ça. Puis un jour, des années plus tard, j'ai dérapé dans un virage dans les Alpes et je me suis retrouvé avec une roue au-dessus du précipice, à 500 mètres plus bas. Enfin, la voiture s'est arrêtée, ça avait dérapé. Alors j'ai regardé derrière et à l'arrière de la voiture, il y a le petit chien qui se balançait. Bon, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais ça veut donc dire qu'une bonne action, un jour ou l'autre, on la retrouve, c'est pas fait pour, mais le hasard le faisait comme ça. Et donc, j'ai essayé de faire ça spontanément, sans avoir... Je luttais contre l'ambiance générale. La plupart des gens étaient indifférents à ce qu'avaient les malades. Certains leur parlaient gentiment, j'essayais d'aller un petit peu plus loin. Ben, sans jouer Saint-François de salle ou je ne sais pas. Non, mais simplement parce que ça me semblait normal. Je me disais, si ma mère avait quelque chose comme ça, j'aimerais bien que... Bon, alors donc je le faisais. Après, quand j'ai eu la chance très rapidement d'être externe et de chirurgien, alors j'ai vu qu'un monsieur de cette dimension, non seulement le faisait, mais le conceptualisait, l'enseignait. Il a fait son petit fascicule, mais je ne sais plus quoi, mais les enseignements voulaient... je ne sais plus comment ça s'appelait. Recommandations aux internes de mon service, recommandations ou quelque chose comme ça, conseil aux étudiants de mon service. Et ça commence par que je voudrais que l'on ne s'obstine pas à être médecin si l'on n'a pas une certaine rage de l'être. Ben, si j'écrivais son bouquin de manière moins emphatique, je dirais, je voudrais qu'on ne s'acharne pas ou à être médecin si on n'aime pas soigner les gens. C'est ça le véritable problème. Alors si on aime ça, et si on aime, il faut donc connaître, et dans ce rapport médecin-malade, bien, il ne se fait pas de manière paternaliste, il se fait en essayant de comprendre ou de connaître les gens. Et donc un certain nombre de médecins de très bonne qualité, qui sont de la génération d'Ambourgier ou après, avaient tous la même attitude. Par exemple, pour prendre un exemple,
présentation par un externe, pensé par Monsieur Henri Dupont, camionneur ou je ne sais pas quoi, pompiste, agent de police ou directeur de... Enfin, il n'y a pas beaucoup de directeurs de banque, à vrai dire, dans les services à ce moment-là. Mais donc, tout ça pour dire, pour qu'on se situe le problème de, et qu'on voit qu'il est, ou Madame Intel, mère de 4 enfants, etc., bon, ben, on imagine qu'elle n'a pas les mêmes problèmes qu'une jeune fille de 17 ans qui n'en a pas, ou qu'une dame de 80 ans. Bon, donc déjà là, c'est un respect du malade dans sa personne. Et c'est pour ça qu'à l'hôpital, c'est quelquefois difficile, mais pour moi, la plupart du temps, ce qu'on faisait, d'ailleurs, Jean-Pierre Grunfeld faisait exactement pareil, on n'allait pas à 10 dans une chambre. Ceux qui avaient un besoin, enfin, d'un rapport de soignant direct, mettons l'interne, l'externe, et l'assistant ou le patron clinique, seuls entraient dans la chambre pour discuter, voir, expliquer. Puis on se retirait dans le couloir sous prétexte de regarder une radio quand on avait à dire... Bon, admettons qu'on ait un truc très grave, c'est obligé que sur l'expression d'une des personnes, ça se voit. Là aussi, ce qu'on avait appris très vite, il faut s'habituer à garder un air impassible ou enfin, ne pas sourire bêtement pour quelqu'un qui est en train de mourir en disant « ça va bien », etc., ce qui est complètement ridicule, mais enfin, au moins avoir l'air neutre. Et puis on se retirait pour discuter et jamais on ne faisait état d'un doute devant un malade, d'un doute diagnostique. Souvent, on en avait. On ne savait pas toujours ce qu'il avait. Mais donc, on se mettait d'accord entre nous et on disait, bon, on est en train de chercher, on a mis des examens, mais on ne disait pas, on va chercher, on disait, on a mis des examens pour savoir ce que vous avez. Et puis, de toute façon, on trouvait quelque chose de positif à dire et un traitement à dire. Donc, dans le bouquin d'Henri que vous avez lu hier, il parlait aussi de la vérité aux patients pour le cancer. À l'heure actuelle, on dirait, pas moi spécialement, mais qu'on ferait exactement plus du tout la même chose. À l'heure actuelle, on dirait aux gens ce qu'ils ont, parce qu'on sait que dans 3 cas sur 10, on peut guérir au moins pendant des années les cancers. Donc on ne peut donner un mauvais diagnostic, un diagnostic difficile comme ça, que assorti d'un espoir thérapeutique. Donc si on dit à quelqu'un, vous avez un cancer de la prostate, aujourd'hui, il y a un président de la République qui a vécu 35 ans avec, pourquoi pas vous? Donc, c'est pas du tout une menace immédiate. Mais quel que soit le stade, on minore le stade un peu, on peut jouer sur les termes techniques. Donc, en somme, il y a une manière de présenter les choses graves, qu'on peut faire de manière humaine, comme on voudrait que ça soit fait pour quelqu'un de sa famille ou pour soi-même, et même indépendamment de ça, parce que ça doit être comme ça, je pense. Et alors, pour un certain nombre de maladies chroniques, et c'est celle auxquelles j'ai eu affaire, on a eu beaucoup de cancers aussi, hein, par exemple des gens qui avaient quelquefois jeunes, qui avaient des cancers mais extensifs au stade terminal avec insuffisance rénale. Donc les collègues urologues sont obligés de libérer des lits pour prendre d'autres, etc. Et nous les confier. Moi, j'ai jamais refusé de prendre un patient, même si ça n'avait pas de rapport avec la néphrologie. Au contraire, nous, on avait les structures et des infirmières qui étaient remarquables, qui savaient très bien faire, et leur faire des traitements analgésiques. Que déjà il y a 30 ou 40 ans, on n'est pas de pompe, mais on faisait déjà l'anticipation de la douleur. Autrement dit, le traitement de la douleur dans le rapport médecin-malade, c'est mais véritablement peut-être même presque la clé absolue du devoir médical. Or, c'est encore discuté maintenant. Certains discutent, est-ce qu'on peut avoir le droit de faire des morphiniques? Mais c'est absolument insensé d'entendre en 2011 des termes pareils. Un malade n'a pas le droit de souffrir. On a tous les moyens d'empêcher la souffrance en combinant différents médicaments et puis en faisant intelligemment, en regardant quel type de douleur il y a. Il y a la douleur physique et la douleur morale. On peut très bien améliorer les deux, indiscutablement. Alors ça aussi, ça n'est pas assez enseigné, on insiste. Enfin, je pense que ceux qui ont travaillé avec moi le font. Les infirmières se souviennent encore de comment faire. Mais à un moment, je leur disais, cette malade-là, vous êtes sa seule famille. Nous sommes sa seule famille. J'ai vu une pauvre femme de 40 ans qui avait un fils qui était parti, je ne sais pas, enfin, il n'était jamais là. Son mari, elle avait eu un cancer de pelvien, cancer du col extensif. La chirurgie avait absolument... Enfin, c'était épouvantable, on ne pouvait même pas regarder tellement c'était atroce. Bon, donc on avait fait le traitement analgésique.
Et à un moment donné, je voyais bien qu'elle pleurait tous les jours. Donc j'ai appelé l'assistante sociale qui nous a remonté. On est repassé par le commissariat de police pour retrouver. Moi, j'ai eu le commissaire de police au téléphone comme médecin en disant, voilà, il faudrait que vous trouviez son fils. Il n'y a rien de spécial, mais sa mère est en train de mourir. Elle voudrait le revoir avant. Pas de problème, docteur, m'ont dit les gens, on va le trouver. Et 48 heures après, ou le lendemain, le fils était là, elle est morte le lendemain. Donc elle avait pu discuter avec, les morphiniques n'empêchent pas la conscience, elle ne le sentait plus, ça ne savait même plus si elle avait un corps, en somme. Donc on leur disait, nous sommes sa seule famille. Bon, on l'a fait. Et puis on l'a fait plusieurs fois, et à chaque fois, ça a été... Les gens, ils vous disent rien, mais ils vous serrent la main, puis c'est tout. C'est le côté peut-être dramatique, mais si on ne fait pas... Alors, il faut donc avoir une certaine expérience, une certaine force pour le faire. Il faut être capable d'absorber les problèmes des gens sans projeter les siens propres. Tout le monde en a, mais donc il faut savoir s'abstraire de ça, ne pas dire c'est moi je ferais ci, non, moi je ne m'occupais jamais de ce que j'aurais fait pour moi, mais de ce que pouvait faire le patient. C'est évident que ça demande de s'y intéresser, de s'intéresser aux gens, de discuter avec, de voir quel est leur problème. Et c'est comme ça qu'on a pu, à un moment donné, je voyais venir à Necker. À peu près tous les mois, un nouveau... Enfin, vous voyez, on en soignait des camps, des centaines d'insuffisants rénaux, mais qui refusaient d'être traités venant de différents hôpitaux, par eux-mêmes, ou parce que les autres disaient, bon, parce qu'elle ne veut rien faire, ben on va l'envoyer, on verra ce qu'il peut faire. Ben, simplement discutant, comme on fait là, au bout de 10 minutes, je voyais quel était l'obstacle. Et pour prendre un exemple, une dame qui avait une soixantaine d'années, c'est vers le 15 décembre, elle ne voulait absolument pas être dialysée, ou vers le 10 décembre. Alors, j'avais essayé de lui dire, est-ce que c'est parce que ça vous fait mal? Est-ce que vous avez peur de la douleur? Est-ce que vous avez peur de la vue du sang dans un appareil? Non, non, c'est pas. Bon, je n'avais pas réussi à trouver. Elle sort, et elle se met à pleurer dans le couloir, et elle dit à l'infirmière, ah là, mais bon, c'est pas ça. C'est que je pourrais, si je me fais dialyser, je ne pourrais pas aller au mariage de ma fille, je ne sais plus, mettons, le... Enfin, quelque chose, une date précise, mettons le 23 du mois. Bon, l'infirmière revient, elle me dit, ben voilà, ben je lui dis, ben ça, pas de problème, faites-la revenir, on va lui arranger ça. Alors je lui ai expliqué, ben voilà, si vous voulez pouvoir aller au mariage de votre fille, ben on va faire la dialyse 2 jours avant ou 3 jours avant. À partir ce jour-là, ben vous le faites, et puis c'est tout, elle ne va quand même pas se marier pendant 3 jours. Vous êtes tranquille après pendant 3-4 jours, puis vous revenez après. Ah ben ok, pas de problème. Donc, c'était impossible à savoir sans ça. Si, donc, c'est grâce à l'infirmière qui était habituée à travailler, à voir, et souvent récupérait les gens à la sortie qui n'osaient pas me parler parce que c'est trop bête comme problème, j'ose pas lui dire. Et puis, elle revenait, et puis immédiatement, on trouvait la solution, qui était quelquefois totalement inattendue, parce qu'on dit, bon, c'est la peur de la douleur, la peur de... Beaucoup de gens disaient, le voir passer du sang sur tous les premiers appareils, c'était impressionnant. Voir son propre sang qui part dans une machine comme ça, c'est pas évident. La plupart du temps, c'est pas ça. C'est des contraintes sociales ou familiales, le fait de ne plus pouvoir faire ceci ou cela. Alors donc, on a vraiment, par tous les moyens, trouvé à changer les heures de dialyse, les jours, ajuster pour que les gens puissent avoir une vie pratiquement normale. Donc, le dernier état des choses étant la dialyse quotidienne, où les gens peuvent le faire pendant 2 heures le soir. Bon, Trégère a lancé l'affaire. Mais mon collègue Mann a fait le petit bouquin qui est paru chez Varian, a été fait en grande partie avec Mann et avec lui. Et en fait, à partir du bouquin qu'on avait fait sur l'hémodialyse en général, dont on a pu prendre les parties communes pour qu'ils puissent s'en servir pour la dialyse quotidienne, mais qui convient à certains, pas tout le monde, mais qui peut vraiment rendre service à des gens qui peuvent être traités sans que personne ne sache qu'ils ont quelque chose. Enfin, s'ils remontaient la manche de chemise et qu'on voit la fistule, mais c'est tout, ils n'ont qu'à mettre une chemise à manche longue ou un polo. Mais quand on explique ça aux gens, y compris la plupart du temps en disant le problème de l'insuffisance rénale, c'est de s'y adapter et d'avoir une bonne organisation.
À partir du moment où les gens savent qu'il y a un aspect positif qui est de s'organiser, d'organiser sa vie, de voir le par quel bout prendre les choses, comment faire pour respecter son régime, eh bien, immédiatement, le cerveau prend à des buts précis et se met à fonctionner dans un sens positif où on cherche à améliorer les choses et non plus avoir peur de quelque chose, d'une menace confuse qu'on ne sait pas par quel bout prendre. Donc là aussi, tout revient, soit intuitivement, soit parce qu'on pourrait l'apprendre aux gens, comment disséquer le problème en petits bouts, voir ce qui gêne, voir quel est l'obstacle, et puis tout transformer en proposition positive pour améliorer les choses. Bon, ça, c'est pas un secret, la théorie de la pensée positive existe pas maintenant, mais beaucoup de gens le faisaient spontanément sans même que le terme existe. C'est une disposition d'esprit positive ou optimiste et qui permet de manière incroyable aux gens de pouvoir surmonter une maladie chronique qui est quand même une servitude. Et je me disais j'aimerais bien pouvoir écrire un certain nombre d'histoires comme ça, mais il n'y aura jamais aucun éditeur qui le voudra, alors je laisse ça dans un coin. Mais je me disais que si j'écrivais un bouquin, ça s'appellera « Et souvent, il repartait avec le sourire ». Je voyais des gens qui arrivaient, ah docteur, c'est désespérant, j'ai une insuffisance rénale, on me dit que je me fasse dialyser, qu'est-ce que je vais faire, moi j'aime autant disparaître, etc. Ben, des gens en pleine dépression. Et puis en discutant, on disait, ben oui, mais attendez, il faudra dialyser, mais on n'a pas dit que c'était demain, ni même après-demain, ni même dans 6 mois. On a le temps, on verra, on va déjà faire quelque chose entre. Ah bon, vous croyez, je fais que ça à longueur d'année, je peux vous dire que même si c'était la première fois que je voyais le truc. Donc autrement dit, il faut être affirmatif, il faut être directif, il faut dire, bon, on connaît votre problème, et le plus arrêté, on le connaissait très bien. Et donc beaucoup qui arrivaient déprimés comme ça, on aurait pu faire une photo avec la bouche comme ça, ressortaient, et puis leur disaient, attends, vous avez rendez-vous dans 6 mois, pas question de ne pas venir. Mais docteur, je serais mort. Je ne vous aurais pas donné rendez-vous dans 6 mois si je n'étais pas sûr que vous vouliez venir. Et pour plusieurs, ça a marché pendant des années. Mais attends, ils ne sont pas morts pour autant. Mais peut-être tu as lu l'idéaliser. Je disais, moi, je ne donne pas des rendez-vous comme ça sans être sûr que vous pouvez. Si je n'étais pas sûr, je vous dirais dans 2 mois. Mais s'il faut faire un traitement particulier, s'il faut que ça soit tous les mois, je vous dirais, venez tous les mois. Mais pour l'instant, dans 6 mois, ça suffit, ou dans 1 an. Mais alors, n'oubliez pas. Donc déjà, ça, ils savaient qu'ils avaient en quelque sorte acheté un an de vie en plus, déjà, pour commencer. Et pour certains, ça a continué comme ça. Même une histoire la plus curieuse qui m'est arrivée pour ça, mais ça remonte à 40 ans à peu près, au début de la dialyse, où c'était difficile de trouver une place, etc. Et je voyais un homme qui avait peut-être 40-45 ans, absolument désespéré, prêt à se suicider, oh, je ne pourrais pas voir mes enfants grandir, etc. Bon, je ne savais pas quoi lui dire, je lui dis, mais attendez, on n'est pas du tout en dialyse encore, on va faire des traitements. Déjà à l'époque, bon, je veux dire, ça montait à une quarantaine d'années, je vais dans une salle vétuste, enfin vraiment, c'est de quoi donner le cafard à n'importe qui. Et je lui dis, en désespoir de cause, on était vers octobre ou novembre. Je dis, bon, écoutez, on va déjà se fixer un but. Je suis sûr que vous allez pouvoir passer Noël et le Nouvel An tranquille. Après, on verra ce qu'on fait comme traitement. Il me dit, oh non, c'est pas possible, docteur, vous me dites ça. Ben, je lui dis, attendez, je vous parie une bouteille de champagne que si ça va pas, je vous la dois et sans ça. Mais je lui dis, mais alors, n'oubliez pas que moi, je ne parie que quand je suis sûr de gagner. Alors, déjà, ça, je vais être obligé de rigoler. Mais il a amené sa bouteille de champagne. Il en aurait porté une caisse s'il avait pu. Enfin, on avait dit, eh oh, une bouteille, on a dit. Bon, eh bien, ça a duré 15 ans. Pendant ces 15 ans, le fils a fait toutes ses études et a pratiquement fini sa médecine. Avec sa fameuse bouteille, il a acheté un an de... Comme ça, c'était une plaisanterie entre nous. Mais en réalité, c'est ça qui avait fait se décrisper la situation. D'un air extrêmement sérieux, vous savez, moi je ne parie pas si je suis pas sûr de gagner. Donc attention, hein, commandez déjà la bouteille. Eh bien ça l'a aidé, plus ça lui a coûté une bouteille de champagne. C'est quand même moins... on l'a bu avec les infirmières, comme ça pour Noël, quoi. Mais enfin, vous voyez, donc il y a des astuces, comme ça, n'importe quoi, pour arriver à faire
prendre conscience aux gens qu'on peut faire quelque chose de positif et que de toute façon, on peut toujours faire quelque chose pour améliorer. Et que jamais on ne part battu, on part toujours avec l'idée qu'on va trouver une solution. Ben, je pense qu'il n'y a pas qu'en médecine qu'on devrait faire ça. C'est comme ça, certains... Enfin, moi, j'aime le contact avec les gens, j'aime discuter avec. La plupart du temps, des consultations, je passais à discuter sur ce qu'ils faisaient. Les uns étaient musiciens, l'autre était je ne sais pas quoi, moi... Les uns étaient travaillaient dans la finance, les autres étaient peintres en bâtiment, n'importe quoi. Tous, je leur faisais raconter ce qu'ils faisaient. Donc, les gens sont... C'est une manière de témoigner de l'estime ou de la considération qu'on a pour eux. Or, les artisans ont tous des vies absolument beaucoup plus étonnantes qu'on ne croit. Ils s'intéressent à ce qu'ils font. Ils ont un savoir-faire, une habileté manuelle. Des gens en faisant « Ah ben oui, mais je fais partie d'une association. » Par exemple, un gars qui est serrurier. Je dis « Bon, mais d'accord, en ce moment. Bon, »« Oui, mais je fais partie d'un sens. Alors, on retape des jeeps de l'ancien. » Bon, etc. De fil en aiguille. Bon, à partir de là, un contact, je ne sais pas par quel mécanisme cérébral ça se fait, mais c'est très différent. Et quand on préconise après, mais bon, vous voyez le principe, pour faire tel truc, c'est pas compliqué, vous avez la petite feuille, là, vous voyez, il y a 10 lignes, il n'y a pas beaucoup d'interdictions, il y a juste à faire attention à 2-3 points, et ça marche, je vous garantis, ça marche. Vous n'êtes pas le premier qui venait avec ça. Eh bien, ça va tout seul, parce que le gars se dit, il connaît comment je vis. Alors, bien sûr, il faut qu'il passe des heures dans son camion, dans sa camionnette, les uns, les autres derrière leur bureau. Les autres peuvent retourner manger chez eux. En province, c'est fréquent, pas à Paris. Donc, il faut s'adapter au fait qu'ils vont manger dans une cantine. Donc, il y a tout un tas de choses. Les heures de sortie des gosses, etc. Enfin, moi, je pense que quand on s'intéresse aux gens... C'est ça, le rapport médecin-malade. Donc, ça ne peut pas s'enseigner. C'est intuitif. Oui, et puis c'est par l'exemple qu'on peut voir comment on peut faire. Mais il faut quelquefois aller un petit peu loin pour discuter plus de 5 minutes ou plus de 2 minutes ou plus que rien du tout. Autrement dit, on ne soigne pas des papiers de laboratoire ou les examens, ou je sais pas, on soigne une personne. Et on essaye d'adapter les choses à lui et non pas l'inverse. Alors aussi, un précepte que j'indiquais à mes braves jeunes autour, en disant, si des malades, mettons, prennent un nouveau médicament, on ne connaît pas encore très bien ses effets secondaires. Certains malades ont des ennuis avec, ou disent, je ne me sens pas bien avec, et n'osent pas le dire. Le docteur, il m'a donné ça parce qu'il pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, je vais obligé de lui dire, votre truc, ça ne marche pas. Alors certains ont le courage de le dire, ou ils le disent à l'infirmière. Mais je leur dis, mais il faut le dire. Moi, je ne vais pas me vexer parce qu'on ne peut pas savoir, c'est nouveau. Donc, je leur disais, s'il y a un conflit entre un patient et un médicament, c'est pas forcément le patient qui a tort. A priori, c'est plutôt le médicament. Et donc, on va changer le médicament. Puis c'est tout. On a des alternatives à peu près pour tout. Et la plupart du temps, faisant ça, en prenant une molécule voisine, on ne sait pas par quel miracle, il ne supporte pas le A, et on a l'autre qui est à peu près l'équivalent, le B, lui va très bien. Mais il suffit qu'on l'écoute pour voir, et qu'il ne soit pas là, se morfondre pendant 3 mois. C'est comme ça qu'on a découvert que les IEC donnaient des démangeaisons à certains pourrites, une toux, une espèce de toux sèche incessante. J'ai eu un des premiers malades qui avait ça. Heureusement, il a eu l'idée d'en parler. Alors je lui ai dit, attends, je ne sais pas très bien, je ne vois pas, vous n'avez rien au poumon, ni là. Il dit, je ne tousse que depuis que j'ai ça. Donc il y a forcément un rapport dont on a regardé la physiopathologie. On s'est dit, ben oui, c'est facile, la calicrine, etc. Et puis c'était plus en cherchant, on l'a trouvé, il n'y avait pas, il n'y a pas encore Wikipédia, il n'y avait encore rien du tout. Il fallait chercher, je ne sais pas comment, en farfouillant. Mais donc, en partant de l'idée que si un malade rapporte un effet secondaire qui le gêne, ben, on commence à dire, oui, c'est vrai, mais on va chercher pourquoi et on va chercher ce qu'on va faire. Et c'est comme ça qu'on a... Ben, certains... J'ai vu des collègues se mettre presque en colère quand on leur... Bon, autrement dit, c'est... Alors, dernière règle aussi que m'a appris l'expérience, quand vous voyez des gens d'une famille, donc, mettons un parent a une maladie, un sens rénal, ça ne régresse pas comme ça, et qui viennent d'un air agressif. Alors au départ, l'agressivité engendre l'agressivité en face. Bon, j'ai peut-être
vu ça quand j'étais jeune, mais j'ai rapidement compris l'équation agressivité égale anxiété. C'est-à-dire que si un patient ou un membre de sa famille est agressif, ça veut dire qu'il est inquiet pour quelque chose. Donc, je le laissais dire son truc, comment vos traitements, ça marche pas, etc. On s'en occupe pas bien, et tout. Mais bon, mais qu'est-ce qui vous tracasse, qu'est-ce qui ne va pas à partir de... On ne sait jamais ce que c'est, d'ailleurs. C'est pas toujours le plus plausible. D'accord, ben on va voir. Vous savez, c'est fini, c'est évaporé. Ah bon, j'ai même vu un malade à qui j'expliquais le truc. C'est un lithiase un peu compliqué. Enfin bon, ben pour qu'il comprenne pourquoi il fallait faire un traitement qui n'était quand même pas très facile à faire. Et il dit à la fin, eh ben écoutez, docteur, c'est quand même bizarre. J'ai rien compris ce que vous m'avez dit, mais j'ai vu que vous vouliez me l'expliquer, et ça, jamais personne ne l'avait fait jusque-là. Ben, oui, ça serait bien si en plus. Oui. Alors déjà, il fallait casser le barrage qui fait que le gars est tellement énervé, tellement anxieux, que ça ne peut pas rentrer dans sa tête. C'est ça le problème aussi. On ne peut pas discuter avec quelqu'un qui est dans un état émotionnel. Donc il faut attendre que l'état émotionnel se calme. Et éventuellement, la plupart du temps, quand je dis aux gens, il faudra peut-être mettre une fistule, je lâchais le mot qui leur faisait peur. Et bien, on en reparlera. Donc la fois d'après, la réaction émotionnelle était un peu passée. Ils avaient discuté avec les uns les autres dans la salle d'attente. Et puis, on pouvait reprendre les choses. Mais autrement, quand les gens sont dans un état d'anxiété, absolument aucun raisonnement ne peut pénétrer dans le cerveau. Il y a un blocage, ben vous le savez. Mais beaucoup de gens ne le savent pas ou n'en tiennent pas compte. Donc, ça ne sert à rien de vouloir crier plus fort ou avoir un argument. Pas du tout. Il faut laisser passer. Il faut désamorcer l'anxiété d'une manière ou d'une autre. Et puis revenir au calme et pouvoir repartir à parler normalement. Bon, là aussi, ça s'apprend avec l'expérience. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à soigner tout le monde. Je n'ai jamais vu de patient qui n'ait pas été dialysé, de ceux qui ne voulaient jamais être dialysés par nulle part, etc. Y compris des gens que vous avez vus là, sur les estrades tous ces temps-ci. Une partie des malades qui sont partis parce que on leur dit, mais il faut vous dialyser, c'est comme ça, et puis c'est tout. Moi, je disais, on va déjà regarder si c'est indispensable dans l'immédiat, faire quelques examens, etc. Puis on va voir. Et puis, pour la plupart du temps, en écoutant, voyant, par exemple, dernière chose, une sympathique jeune femme, enfin, pas jeune, en fait, dans les 60 ans à l'époque, qui avait été, je ne sais plus si c'était assistante sociale ou... Enfin, quelque chose, un métier paramédical. Déjà, ça énerve beaucoup les médecins, ça, les gens qui en savent plus qu'eux. Et celle-là était absolument. Je veux pas être dialysé, je veux. Bon, ben, moi, à l'inverse de beaucoup de mes collègues, je me dirais que c'est une réaction normale. Il y en a quand même un des orateurs qui a eu l'idée de dire que si un monsieur de 98 ans, enfin, ou je sais pas quoi, on veut à tout prix le dialyser, etc., qui dit laissez-moi mourir en paix, je pense que c'est le malade qui a du bon sens, c'est le médecin qui veut l'obliger ou sa famille qui sont à soigner rapidement. Bon. Donc cette femme ne voulait pas. Moi, je ne pousse pas du tout, puisque ma spécialité, c'est de faire le traitement sans dialyse le plus longtemps possible. Alors, vous tombez tout à fait bien, seulement qu'elle habitait à 50 mètres de Necker. Bon. Alors, donc, on l'a fait. Elle a été dialysée 11 ans après. Mais on lui avait dit, si vous ne faites pas votre dialyse, vous le regretterez, dans un mois, ce sera fini, etc. Alors comment voulez-vous qu'elle ait confiance à la médecine après? C'était pas un mois après, c'est 11 ans. Alors ils n'oubliaient jamais d'envoyer leurs vœux, etc., dire ça va tout, puis de téléphoner, tenir au courant. C'est devenu des amis en réalité. Enfin, et son mari était directeur de recherche au CNRS, enfin, c'était des gens tout à fait cultivés, et elle avait une volonté de faire, une volonté d'acier pour pouvoir voyager avec son mari qui allait faire des cours aux États-Unis, etc., pouvoir l'accompagner. Ben, donc elle faisait son régime au milligramme près. Et ben, le résultat était là. Ben, je lui ai dit bravo, mais à un moment donné, je ne suis pas Dieu le Père, on sera bien obligé de trouver. Bon, ben, très bien, le jour où il faudra. J'ai déjà gagné 10 ans. Ouais, des choses comme ça, des histoires de ce genre, j'en ai vu des dizaines et des dizaines. Et pour chacun, pour chaque malade, il y a un abord. Donc c'est pour ça que je dis, je ne sais pas comment ça peut... Je pense que ça ne peut s'en aller que par, justement,
une succession d'histoires comme ça. Elle parle, c'est comme les fables de La Fontaine, elle parle par elle-même. Les gens tirent leur moralité selon leur niveau de, j'allais dire, de finesse psychologique, mais enfin, néanmoins, ils vont voir qu'en s'intéressant aux gens, on peut arriver à trouver moi, le labor de base a été de dire « il est normal de ne pas vouloir idéaliser ». Enfin, disons, de vouloir utiliser ses propres reins le plus longtemps possible. Bon, ça me paraît quand même relativement sain, mais le problème étant, le corollaire étant, il faut faire ce qu'il faut pour. On ne peut pas faire ça en continuant à manger, mettons, 2 gros beefsteaks par jour, et ça, il y a quand même un minimum de règles à respecter. Les gens disent, mais on fera n'importe quoi pourvu. Eh bien, la plupart des gens le faisaient tout à fait bien. Donc, vous voyez, je pense que pour les diabétologues, ils ont encore plus de mal que nous. Parce que les diabétologues avec lesquels j'ai travaillé, puisqu'on avait de plus en plus, moi j'ai choisi un diabétologue, j'allais dire, ils sont tous intelligents intrinsèquement, mais qui avait un bon sens humain. Un jeune médecin qui veut faire de la néphrologie, je veux dire, réfléchissez bien. L'activité la plus passionnante à l'heure actuelle, c'est la cancérologie. De manière curieuse, c'est celle qui va le plus loin dans l'analyse des mécanismes et où il y a alors lieu d'exercer pour les gens dignes du nom, parce que les cancérologues, enfin je les connais pas tous très bien, mais s'il y a vraiment un domaine où les qualités humaines du médecin sont absolument indispensables, c'est bien la cancérologie. Là, il faut quand même aider, mais la plupart... J'ai accompagné des gens dans différents centres de cancérologie de bonne qualité. Tout le personnel est formé à l'accueil des gens. Ils ont une formation spécifique qui est faite, qui est bien. Alors donc, je dirais que c'est le summum en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il y aura dans 20 ans. En néphrologie, en médecine, pour faire médecine, vous voulez dire, il faut savoir si on aime soigner les gens, si on aime les gens. Ou si on est simplement bon en maths et capable de passer l'année de sélection de première année de médecine. Si on est uniquement capable de répondre, de franchir la barrière la première année, sans avoir de vocation en disant « je ne suis pas capable d'entrer à l'X, je ne suis pas capable d'entrer à Centrale, à Supélec, ouais, je ne sais pas quoi, à Normal Sup, alors je fais médecine », je ne suis pas sûr que ce soit l'idéal. Or, c'est les 2/3 du recrutement actuellement, enfin, nous, hein, ou la moitié. De la poésie. Vous savez, la poésie a été très à la mode il y a 2 siècles à peu près, ou 1 siècle et demi. C'était considéré comme la plus noble des activités. Enfin, du temps de Vigny, Musset, etc. C'était très très bien vu, ou Victor Hugo. À l'heure actuelle, c'est une connotation plutôt négative, quoi. Ça évoque la légèreté, le superflu, l'inutile. Je dirais, je ne suis pas sûr que c'est... Non, ce n'est pas tellement de la poésie qu'il y a... Mais c'est du roman à la Balzac, enfin, je veux dire, ou Alain Marcel Aimé, mais qui est peut-être moins connu en Italie, des gens qui ont un sens psychologique. D'ailleurs, beaucoup de romanciers, d'ailleurs, tous les gens écrivent leur vie maintenant. Dès qu'une femme un peu connue a un enfant, ça y est, elle écrit un bouquin. Dès que quelqu'un a perdu son père, il écrit un livre. Enfin, dans la littérature, il y a un siècle, les gens avaient quand même une autre dimension, les écrivains. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, je pense qu'un bon médecin doit avoir une tendance littéraire dans sa tête. Alors la poésie, pas forcément. Jean Bernard écrivait de la poésie lui-même, adorait. Moi non, enfin si, j'aime bien, mais je me réfère plus aux très bons romanciers qu'on connaît, disons ce qu'on appelle la connaissance de l'âme humaine, enfin qui s'y intéresse et qui leur parle. On s'intéresse à quelque chose, on va plus loin et on peut décrire des situations, les deviner. Moi je pense que le génie, enfin j'en ai pas un moi, mais les génies littéraires ont été capables de décrire des situations qu'ils n'avaient pas vécues eux-mêmes, simplement par intuition ou par sensibilité en entrant dans la peau des gens. Regardez Flaubert avec Madame Bovary, partant d'un fait divers de 10 lignes dans un journal. Quand vous le lisez, vous voyez de l'intérieur comment cette pauvre femme se détruit elle-même petit à petit. C'est tout à fait extraordinaire. Donc, et son père était médecin, était le médecin le plus connu de Rouen. Donc, et il admirait profondément l'activité de son père. Mais donc lui, en tant... c'était pas de la poésie, c'est... vraiment l'art du bon romancier.